Bonjour à tous. Bonjour. Alors bonjour, merci à vous d'être ici pour cet atelier sur l'alimentation végane et la tradition culinaire française. Alors, donc un grand merci aux intervenants d'être là, Laurence et Brigitte. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va, on va procéder de la façon suivante. Pendant une heure, on va parler, on va parler du sujet, et ensuite on aura environ 30 minutes de questions-réponses. Voilà, si vous avez des questions. Donc cet atelier, il est organisé par la Commission Conditions Animales d'Europe Écologie Les Verts. Donc moi, je la représente. Elle a été fondée par Fabienne Roumet et Dushka Markovic il y a 3 ans. Elle ne peut pas être présente aujourd'hui, du coup je le présente. Le but de la commission, c'était de fédérer les militants de la cause animale qui voulaient construire des propositions sur la place de l'animal dans une société écologique. Voilà. Et le but, c'était aussi d'agir en interne, donc au sein d'Europe Écologie des Verts, pour qu'on ait un positionnement ambitieux sur la question animale. Si ça vous intéresse et que vous avez Facebook, je vous invite à regarder sur Facebook la page qu'on a. Polycouvent, oui. Et sinon, on a un site aussi sur lequel on a un site dédié à la commission. Je vais présenter les intervenantes. Alors du coup, Laurence Abeille, toi tu as été députée du Val-de-Marne de 2012 à 2017. Pendant ton mandat, tu as notamment porté et fait adopter la loi Abeille sur les ondes électromagnétiques. Et tu as aussi participé à la commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie en 2016. Et puis tu as aussi signé la proposition de loi d'Yves Jégot qui était relative à la mise en place d'un plat alternatif végétarien dans les cantines scolaires, qui finalement n'a pas été débattu à l'Assemblée. Fois Brigitte, tu es cofondatrice de l'association L214 Éthique et Animaux. Donc, c'est une association qui a la défense du droit des animaux d'élevage. Elle a été fondée en 2008 à partir du collectif Stop l'élevage et qui avait lui-même été créé 2 ans auparavant, donc, 5 ans auparavant. Donc il y a 2 missions majeures à la L214. La première, c'est de révéler les conditions d'élevage. Et de faire des actions en justice contre des pratiques qui seraient illégales. C'est de nourrir un débat de fond aussi sur l'élevage des animaux et la consommation des produits issus des animaux. Et la deuxième, c'est de diffuser les pratiques de consommation. La deuxième, c'est de diffuser les pratiques de consommation des animaux, enfin de consommation des produits sans animaux. Non, je suis pas claire. Oui, c'est de promouvoir les alternatives. Merci, tu me dis bien mieux que moi. Ok, voilà. Donc, merci à vous. Pour ce qui nous intéresse, depuis quelques années, les populations qui consomment une alimentation végétale, donc je vais décliner les végétariens, donc les végétariens, ceux qui ne consomment ni viande ni poisson, donc qui ne consomment pas de produits animaux, et les végétaliens ou les véganes, qui eux ne consomment pas de produits issus des animaux, donc ça peut être le lait, les œufs, le miel, d'accord ? Et ni viande ni poisson non plus, bien sûr. Progresse en Europe. Voilà, donc il faut savoir que selon une étude récente, il y aurait 12% de végétariens en Grande-Bretagne, 10% en Italie, contre 9% en Allemagne et seulement 3% en France. Il n'y a pas eu d'études depuis un bon moment. Depuis 2016, Terraeco a fait un sondage, il y a eu Harris aussi, qui lui chiffrait à 5% de végétariens et 5% de végétaliens, ce qui était juste énorme. Mais on ne sait pas de quelle façon ont été faites ces statistiques. Est-ce que c'est du déclaratif ou est-ce que c'est du regroupement d'informations? Donc, même si on a 3 ou à 5, c'est une population faiblement végétarienne. Je vais parler plus fort. Même si on a 3 ou à 5%, c'est quand même une population qui est plutôt faiblement végétarienne en France si on la compare aux autres pays.
Et en effet, en France, l'alimentation saine et conviviale qu'on a en tête, hein, c'est une alimentation qui rime avec des plats traditionnels qui sont faits autour de produits animaux, de viande de poisson ou de plats en sauce, à base de lait, à base de beurre, tout ça. Et c'est une culture culinaire qui est assez spécifique, et elle a été rentrée, et d'ailleurs le plat gastronomique français a été rentré, a été inscrit en 2010 au patrimoine culturel de l'humanité, et il est décrit comme commençant par un apéritif, se terminant par un digestif, avec entre les deux, en effet, au moins quatre plats, à savoir une entrée, du poisson et ou une viande, donc c'est inscrit, et des légumes, avec des légumes, du fromage et un dessert. Voilà. Contrairement à d'autres cultures qui, elles, par exemple la culture italienne, mais méditerranéenne en général, est plutôt basée sur des légumes en grande quantité, ou même la culture indienne est plutôt basée sur du riz, ou des lentilles, ou des légumineuses. On est vraiment une culture spécifique très axée sur la viande et le poisson. Alors. Mais c'est une culture, mais c'est aussi une habitude. Et en fait. Aujourd'hui, un Français moyen consomme 96 kg de viande, alors qu'il y a 200 ans, il n'en consommait que 20 kg. Par an, c'est ça ? Par an, oui, par an. Donc, il y a une évolution progressive. Dans toute la vie. Oui, en effet, c'est pas toute la vie. Oui, c'est énorme. Donc, il y a une évolution progressive de la consommation de la viande, qui a eu surtout un bondissement. Très important à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pendant les 30 glorieuses. Donc c'est un modèle de consommation qui a été un peu calqué sur un modèle économique qui était hérité des États-Unis. Et du coup, je vais laisser Laurence parler de ce sujet. Il y avait juste la main, quelqu'un qui a été élevé. Non, bon. Bien. Alors, il faut faire doucement avec la porte, parce qu'autrement. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Pauline et à la Commission Conditions Animales d'organiser cet atelier, et puis à Brigitte Gauthier d'être là. C'est devenu d'ailleurs presque une tradition maintenant, au jour de l'été, d'avoir ce sujet mis en valeur, mis en exergue. Et la création de cette Commission Conditions Animales, je pense, a été quelque chose de très important pour notre mouvement écologiste LV, et je crois que c'était une façon de répondre à une attente sociétale importante dans notre pays que d'avoir cet organe. Et puis on voit bien que les associations qui s'occupent dans leur diversité des sujets liés à la condition animale sont des associations qui ont pris de l'ampleur, ce qui est évidemment une très bonne chose. Alors, la question qui m'est posée, c'est vrai, un peu d'où on vient et qu'est-ce qui s'est passé en France. On voit bien qu'il y a une différence avec les autres pays européens. Quand on a préparé cet atelier avec Brigitte et Pauline, c'est vrai que il y a un sujet qui m'interpelle et je n'ai pas la réponse, c'est la France est sans doute, donc, de mon point de vue, un des pays de la plus grande gastronomie, sans doute un des pays où on a la meilleure gastronomie du monde, la plus variée, avec selon les régions où on est, qu'on connaît un peu nulle part ailleurs. Et quand on passe la frontière, par exemple, moi j'ai connu bien l'Alsace, j'ai de la famille, et quand on est en Alsace, il y a une gastronomie extraordinaire, on mange magnifiquement bien. Alors, je ne parle pas des histoires animaux ou pas animaux, mais enfin, on mange très bien. On passe le Rhin, et là c'est absolument, de mon point de vue, infâme. Bon. Et on se demande pourquoi, parce que c'est quand même les mêmes personnes, d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, pourquoi dans notre pays, on a cette tradition, et je reviendrai sur le mot tradition, cette tradition de gastronomie assez étonnante. C'est une question qui reste posée pour moi si j'ai fait des études là-dessus. Toujours est-il que ça n'a pas toujours été comme ça, entre guillemets, même si on a eu des très très grands cuisiniers, quelquefois on dit qu'ils se sont débrouillés avec ce qu'ils avaient. Et c'est vrai que notre pays a connu des moments de famine épouvantables, suite à des guerres, suite à tout un tas de facteurs. Et au moment, et la Deuxième Guerre mondiale, pour ceux qui, moi mes parents l'ont vécu, d'autres sans doute dans la salle, dans leur famille, ce type d'histoire, où effectivement on faisait des kilomètres pour trouver quelques carottes, c'était des situations
de très très mal manger, très très peu manger, qui était très dur. À la fin de la guerre, on a été sauvés par les Américains, les Anglais, hein, qui, et puis Dunkerque, c'est aussi un lieu un peu particulier de notre histoire à la fin de la guerre. Et donc, mais qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue culinaire? Ça, c'est vrai qu'on le connaît mal. Comme on dit, les Français crevaient de faim, c'est vrai, par des gens crevaient de faim. Les Américains ont importé en France un modèle de développement agricole industriel, et en particulier avec deux productions importantes, la viande d'une part et le lait d'autre part. Le fromage existait déjà en France, mais la consommation de lait n'était pas quelque chose de traditionnel. Moi, je me suis rendu compte de ça en regardant des documentaires, en lisant un peu sur le sujet, et on s'est mis à consommer des quantités de viande et à boire des quantités de lait extrêmement importantes au regard de ce qui se passait avant, par l'influence de nos amis américains qui nous ont vendu ce modèle de développement agricole. Ça faisait partie du plan Marshall. Et d'ailleurs, dans les grands ports de France, peut-être aussi à Dunkerque, je ne sais pas, on a vu arriver par cargo entier, par cargo porte-container plutôt, les tracteurs américains qui ont redessiné le paysage français. On a vu arriver le modèle de l'élevage industriel qui n'existait pas. Et pour ce qui est du lait, ben, la même chose, hein, tout un tas de méthodes pour rationaliser. Rendre la production beaucoup plus importante, les circuits de distribution beaucoup plus fluides, etc. Et on a d'ailleurs, de ce fait, mis les paysans dans une situation d'endettement dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'existait pas auparavant, et d'ailleurs ils ont beaucoup de mal à s'y mettre, mais l'État les y a fortement encouragés. Moi j'ai vu un extrait d'un documentaire dans lequel on voit un banquet de notables dans un village en France, je ne sais pas où, et où ils mangent évidemment un plat de viande et ils boivent, et ça c'est très surprenant, ils boivent du lait à table. Ils boivent des grands verres de lait, il y a Pierre Mendès France qu'on voit vanter, et c'est une publicité pour la consommation de lait. Bon. Et dans les écoles de France, on a fait boire du lait aux enfants, etc. etc. Et donc c'était vraiment, ça a été une manipulation. On va dire un programme d'État totalement inspiré par les Américains et avec une organisation, je dirais, tripartite. Hein, d'un côté, les banques, hein, très concrètement le Crédit Agricole, qui s'est implanté dans tous les villages de France, avec les chambres d'agriculture, qui aussi ont participé, et puis les syndicats qui ont commencé à se monter, des organisations professionnelles, et donc... l'ancêtre, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, de la FNSEA, hein, qui a commencé à ce moment-là et qui ont monté toute cette opération en lien, pilotée par l'État. C'est vraiment le gouvernement de l'époque qui a insufflé ça. Moi, j'ai vécu aux États-Unis et une des choses qui m'a frappée quand je suis arrivée là-bas, c'est la quantité qui était servie. Et la quantité est servie, pourquoi est-ce qu'elle peut être servie en telle quantité? C'est parce que les assiettes sont beaucoup plus grandes. Si vous regardez, si dans vos familles vous avez des pièces de service de table un peu anciennes, vous verrez que les assiettes ont la taille de ce qu'on appelle nous aujourd'hui des assiettes à dessert. Quasiment. Hein, elles sont comme ça. Les assiettes aujourd'hui, vous allez dans un grand magasin suédois et vous, par exemple, et vous regardez, vous importe la taille des assiettes, on commence à atteindre le format des assiettes américaines. Ils sont encore plus grands. Les verres, n'en parlons pas, on appelle ça des vases quand on était là-bas. Les verres sont hauts comme ça, grands comme ça, quasiment presque un litre, quasiment un litre dans un verre. Et on boit du soda et du lait à table, pas beaucoup de vin, enfin encore maintenant sans doute un peu plus. Donc ce modèle qui s'est développé à cette époque-là, il a vraiment complètement irrigué notre culture et il est devenu, et c'est pour ça que le mot « tradition » est tout à fait intéressant, parce que quand on nous explique qu'il est de tradition de manger de la viande tous les jours et du poisson, etc., c'est pas vrai. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas du tout une tradition, c'est quelque chose qui est arrivé par la volonté gouvernementale par rapport à un plan de développement en lien avec les États-Unis, qui n'a d'ailleurs absolument pas enrichi l'ensemble du monde agricole, qui a appauvri une bonne partie des gens, qui a fait disparaître une bonne partie des travailleurs agricoles, qui a enrichi
quelques gros, gros producteurs, gros céréaliers, etc., qui pour l'essentiel a fait perdre de l'argent, ou en tout cas pas gagner d'argent à ces gens à qui ils vendaient des machines tout à fait sophistiquées, mais qui s'endettaient pour les payer, et qui devaient encore s'endetter après, et puis bon. Donc moi je parle un peu de ça, je parle de comprendre après. Après, c'est Brigitte parler. Voilà, et je parlerai du travail de la soirée. Oui, après, ça, excusez-moi, je ne me souviens plus exactement du déroulé. Donc voilà, vous avez un peu le portrait de, au sortir de la guerre, de la façon dont ça s'est déroulé, et ce que nous, on a connu, enfin, en tout cas moi j'ai connu en tant qu'enfant de personnes qui ont connu la guerre. C'est vrai que pour ces gens-là, pour mes parents, ça a été formidable quand même, par rapport à une période extrêmement dure qu'ils ont pu vivre, de pouvoir avoir de la viande à prix correct, de pouvoir manger du poisson, etc., etc. Et que c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a toujours une difficulté de dire ce que vous avez fait, vous, les parents, n'est pas finalement sans doute ce qu'il fallait faire. Merci. Et je continuerai. Alors, Brigitte, la L214 a fait plusieurs révélations sur les méthodes d'élevage ou d'abattage des animaux destinés à produire, des mets qui faisaient pourtant, qui faisaient le patrimoine de la cuisine française. Par exemple, le premier sondage que vous avez sorti, c'était le collectif Stop Gavage, qui était sur les méthodes de gavage des canards, donc il y a à peu près 15 ans, c'est ça, ou 10-15 ans. Donc qui était destiné à produire du foie gras. Et là, les dernières révélations qu'il y a eu l'année dernière, par exemple, sur les animaux, sur les méthodes d'abattage des animaux de boucherie, c'était en partie pour l'abattoir d'Alès, qui était pourtant un abattoir certifié bio, qui en plus servait des grandes tables renommées. Donc est-ce que tu peux nous parler, toi, des réactions qui ont été rencontrées quand ces images, qui remettaient en cause la production de plats qui font l'identité de la culture française, ont été... Les premières réactions, alors sur Stop Gavage, on était vraiment centré sur la question des animaux élevés pour la production de foie gras. Bizarrement, elles ont été bien accueillies. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des interrogations, puisque l'élevage, encore aujourd'hui, bénéficie d'une image d'Épinal qui est complètement fausse. C'est-à-dire qu'on s'imagine pour le foie gras une personne d'un certain âge avec un tablier qui vient chercher une noix puis la gaver un petit peu doucement, etc. Alors qu'aujourd'hui, on est largement sur des méthodes industrielles pour produire du foie gras. On l'a vu encore récemment avec l'épisode de grippe aviaire où on est sur des salles de gavage de milliers de canards. Qui sont gavés deux fois par jour avec une pompe pneumatique de façon à leur faire multiplier la taille du foie par 10 en seulement une dizaine de jours. Ils passent de à peu près 4 kg à 6 kg. L'accueil qu'on a eu, on a été un petit peu surpris, les médias s'y intéressaient. Donc là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne se rappellent pas. Ça a été plutôt bien accueilli par les médias, et en fait on s'est retrouvé vite en débat avec des personnes de l'INRA qui affirmaient qu'aucun élément scientifique ne permettait de dire que les canards souffraient du gavage. Et ça nous a obligés, nous, à décortiquer les études qui avaient été faites, les publications de l'INRA, et à les mettre en porte-à-faux justement par rapport à ces études-là. En voyant qu'il y avait des gros biais dans ces études-là, notamment l'acte de gavage, ça se passe bien quand ça se passe bien. Voilà. Les cas où ça se passe pas bien, on va éviter d'en parler. Le taux de mortalité, on va pas l'étudier, alors qu'on a des taux de mortalité qui sont multipliés, suivant les études, de 6 jusqu'à 20 fois par rapport à des animaux qui ne seraient pas gavés. Donc on avait vraiment un petit challenge là par rapport à des gens qui avaient la blouse blanche, donc l'autorité pour parler. Et on a sorti, en tant que comité, assisté par Estiva Reus, ont sorti un bouquin de 230 pages qui contrait justement les études de l'INRA. On a été reçus à l'INRA, ils n'avaient aucun argument à nous opposer effectivement par rapport à ce qui est écrit dans ce livre. Pour autant, aujourd'hui encore,
il y a des minerais qui sont exclusivement dirigés vers la zootechnie, c'est-à-dire essayer je ne veux pas dire améliorer parce que c'est pas ça, mais en tout cas c'est faire grossir plus vite, faire produire davantage les animaux qui sont destinés à être consommés ou dont on consomme les produits. Donc voilà, on a vraiment un enjeu majeur dans le sérieux de ce qu'on fait pour ne pas se faire contrer sur des choses. C'est pour ça qu'on met aussi du temps à sortir des enquêtes, puisqu'il nous faut travailler en amont ce qu'on va dire, de façon à être irréprochable, apporter les preuves de ce qu'on dit. Sachant qu'en plus, la méthode, le gavage, c'est interdit dans plein de pays européens. Alors voilà, le gavage, on parlait de gastronomie française, sur le foie gras, on est vraiment sur une exception française. 75% de la production mondiale, c'est en France, 75% de la consommation mondiale, c'est en France aussi, avec quand même des foie gras qui se qui viennent de pays de l'Est. Donc effectivement, il ne reste que 5 pays producteurs aujourd'hui en Europe. Un pays européen qui voudrait se mettre à faire du gavage ne pourrait pas, puisque au niveau européen, il y a une interdiction et il y a juste un pour ceux qui produisent, un petit peu comme la corrida finalement, pour ceux qui produisent aujourd'hui, Mais on voit qu'on s'achemine quand même vers... Il y a une remise en question qui est forte. Et c'était rigolo d'ailleurs, sur une des études de l'INRA qui était rapportée, ils étaient allés présenter leurs conclusions à leurs collègues à l'étranger. Et dans ce qui m'avait frappé dans ce compte-rendu, c'était que c'était noté nos collègues n'ont pas paru tout à fait convaincus de notre argumentation. Donc on sentait le scepticisme de leurs collègues à l'étranger qui, eux, du coup, n'avaient pas forcément de production de foie gras chez eux et qui, du coup, pouvaient regarder plus d'une façon objective ce qui se passait vraiment pour les oiseaux dans la période de gavage. On a vu aussi des politiques monter au créneau pour défendre le foie gras, notamment les politiques du sud de la France, défendre les producteurs. Alors aujourd'hui, il faut savoir que la production de foie gras, elle est pas mal dans le sud-ouest encore, mais elle est aussi en Bretagne, et puis il y a une petite partie en Alsace. Mais en Alsace, sur un des dépliants, c'était écrit que traditionnellement, le foie gras d'Alsace vient de Hongrie. C'est surtout la transformation qui est faite en Alsace, a priori. Parce qu'en France, s'est développé beaucoup le foie gras de canard, puisque les canards sont malheureusement pour eux très pratiques. On peut les enfermer dans des cages et du coup les coincer finalement plus facilement que les oies. Et donc, c'est le gavage des canards. Aujourd'hui, c'est 97% du canard et 3% d'oies qui sont exploités en France pour être gavés. Donc, Et ça combine avec le foie gras, le fait de n'utiliser que les mâles pour le foie gras de canard et les femelles qui sont broyées à la naissance. Ça aussi, c'est quelque chose de traditionnel, mais dont on ne parle pas. Enfin, quand on se vante des traditions, c'est surtout les choses... le foie gras, donc c'est le foie d'un canard ou d'une oie spécialement engraissé par gavage. En 2005, il y a d'ailleurs un amendement qui est passé et qui pose le foie gras comme la loi ne nous permet pas aujourd'hui d'appeler foie gras un foie qui n'aurait pas été obtenu par gavage. Donc déjà, ça c'est clair. Et pour les canards, ne sont utilisés que les foies des mâles, parce que les foies des femelles sont un petit peu plus petits, avec davantage de nerfs, et donc ils ne sont pas utilisés. Et donc les femelles, à la naissance, au couvoir, ils trient d'un côté les mâles, de l'autre côté les femelles, et les femelles, mais ils ne s'en servent pas. Donc en faisant naître à peu près 80 millions de canetons chaque année, entre 70 et 80 millions de canetons chaque année, il y en a la plupart qui passent à la broyeuse ou à gazer. C'est un procédé mécanique de mise à mort valide. Donc effectivement, c'est le même processus pour les poules pondeuses. Pour les poules pondeuses, on a développé une souche spécialement pour pondre des œufs, à peu près 300 par an. Les mâles ne sont pas utilisés. C'est une autre filière qui fait la viande. Enfin, c'est une autre souche qui est utilisée pour la viande. Et du coup, les poussins mâles
ne pondent pas d'œufs, même en bio, même en plein air, et donc sont broyés, qui sont sortis de là finalement. Voilà. Alors ça c'est quelque chose qu'on a dénoncé. D'ailleurs, les députés s'étaient saisis de la question, il y avait eu plusieurs questions parlementaires, plusieurs dizaines, 45 à peu près, questions parlementaires qui ont été posées, et il y aurait a priori en ce moment des recherches pour déterminer le sexe des poussins dans l'œuf, de façon à éviter de broyer des poussins vivants. Voilà. Mais la question de la légitimité de continuer d'élever des poules pondeuses pour avoir des œufs n'est toujours pas posée. C'est la question qu'on aimerait poser. Et donc par rapport à la tradition culinaire, après on a donc montré ces images d'abattoirs, donc d'abattoirs effectivement en circuit court. On a montré le plus petit abattoir de France, c'était au Vidan. Donc là aussi, qui travaille avec des éleveurs locaux, etc. Et les réactions qu'on a eues, ça a été plutôt des réactions de stupeur, même de la part des éleveurs, qui ne se rendaient pas compte, a priori, de quelle façon étaient tués les animaux qu'ils envoyaient à l'abattoir. Les abattoirs, c'est quand même une boîte noire, c'est même une boîte noire par des éleveurs. Et on a eu des appels des éleveurs, on a eu beaucoup de réactions politiques, dont celle de Laurence, bien sûr, mais de Olivier Falorni, qui a donc initié une commission d'enquête parlementaire, qui s'était donné pour mission de faire la lumière sur ce qui se passait dans les abattoirs. Cette commission d'enquête s'est focalisée sur les animaux de boucherie, donc 269 abattoirs, sachant qu'en France, il y a à peu près 1000 abattoirs, puisque la majorité des animaux qu'on tue aujourd'hui en France, si on regarde, ce sont les poulets, 800 millions de poulets chaque année, sur les 1,1 milliard d'animaux terrestres qui sont tués. Et les animaux aquatiques, c'est plusieurs dizaines de milliards. Et du coup, donc sur cette partie-là, il y a eu cette commission d'enquête qui a vraiment beaucoup travaillé, reçu tout un tas d'ONG, de professionnels, de scientifiques, de façon à essayer d'avoir un panel assez large qui s'est déplacé dans des abattoirs. Enfin, je pense que le travail qui a été fait sur 6 mois était juste immense. Ils ont mis en lumière le défaut des contrôles, qui a été mis en lumière aussi, puisque à la même époque, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, a dit « Bon, ça commence à bien faire, on va faire un contrôle général dans tous les abattoirs. » Et donc, l'ensemble des abattoirs qui ont été contrôlés, 80% des chaînes d'abattage, ils ont détecté des non-conformités allant de mineurs à majeurs, ce qui est juste énorme. Et on nous parle, encore là pour le fipronil, que ne vous inquiétez pas, il y a des contrôles, ayez confiance, et le cadavre enchaîné qui sort derrière, 677 œufs contrôlés sur 15 milliards d'œufs, et, voilà, on voit quand même qu'on a de grosses lacunes. Alors, sur la gastronomie... Est-ce qu'on vous a accusé de vouloir tuer la gastronomie? C'est quelquefois des choses qu'on nous oppose en disant « Mais écoutez, manger de la viande, c'est une tradition, on l'a toujours fait depuis la nuit des temps, etc. » Nous, ce qu'on répond, c'est que, au contraire, les êtres humains, l'humanité, les civilisations, elles ont évolué tout au cours du temps en fonction des nouvelles connaissances qu'ils avaient, et que peut-être aujourd'hui, il est temps de s'interroger sur la place qu'on accorde aux animaux dans notre société. Aujourd'hui, on les considère simplement comme des ressources alimentaires, finalement. Et des ressources alimentaires dont on peut faire n'importe quoi. On a une image d'Épinal un petit peu de ce qui se passe en France. On s'imagine, et on essaye de nous le faire croire, hein, c'est un petit peu le discours notamment des syndicats agricoles, mais aussi de toutes les entreprises qui vendent de la viande ou des produits d'origine animale, que les produits qu'on obtient, ils sont obtenus par des animaux qui ont été heureux, élevés dans des bonnes conditions et tués dans la dignité. Voilà. Donc les images, elles sont là pour rétablir une vérité. Et puis on montre aussi les statistiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a encore 68% des poules pondeuses qui sont élevées en cage de batterie, on a 99% des lapins qui sont élevés en batterie, on a 83% des poulets qui sont élevés dans des grands hangars sans accès à l'extérieur. On a 95% des cochons qui sont élevés dans des bâtiments fermés sur des caillebotis. Donc ces sols labourés, ils sont dessus par leurs excréments.
Et puis pour les bovins, bah, c'est très difficile en fait d'avoir des statistiques sur qui est-ce qui sort, qui est-ce qui sort pas. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des projets de plus en plus grands sur bah, l'élevage des mille vaches qui fonctionnent, qu'on n'arrive pas à empêcher de fonctionner malgré toute l'opposition qu'il y a localement et même nationalement, malgré les recours auprès des tribunaux administratifs. Ils ont augmenté leur nombre de 500 à 800 sans avoir d'autorisation. Et aujourd'hui, on essaye de se mobilise, on se bat devant le tribunal administratif pour faire reconnaître qu'effectivement, il y a infraction. Et eux se servent du fait que l'administration n'a pas répondu sous deux mois, donc qui ne dit mot consent. Donc vraiment, il y a un débat très important à ce niveau-là. Et là, encore ce matin, dans le journal de la Saône-et-Loire, un éleveur qui peut passer de 800 bovins à 4000. Donc on est vraiment sur des augmentations de... Et en même temps, on a le discours sur l'agroécologie, sur non, en France, on n'a pas un modèle, c'est pas comme aux États-Unis, ils sont vraiment bien. Nous, chez nous, c'est quand même plus traditionnel, etc. Les animaux sont élevés dans des conditions épouvantables en France. Il y a encore un article dans Libération sur le bio. Dans le bio, il y a encore tout un tas de mutilations qui sont autorisées. Les animaux sont gardés en très grand nombre aussi. Si on parle des poules pondeuses, on peut avoir des élevages. Des bâtiments qui peuvent contenir jusqu'à 3000 animaux, 3000 poules. Le groupe social d'une poule, c'est entre 15, 25 et 50, enfin, c'est, en tout cas, c'est pas 3000. Quoi. Elles ne savent pas gérer un si grand nombre d'individus entre elles. Donc voilà, on est vraiment sur des modèles qui nous poussent vers un modèle toujours plus, plus fort. Alors avec des circuits courts qui se développent, etc., enfin, d'autres modèles qui sont proposés en parallèle, avec le développement des alternatives aussi, mais qui reste encore très peu fort par rapport à bah, la machine à nous faire consommer des produits qu'on nous enrobe de tradition, de « on a toujours fait ça », etc., et qui nous empêche finalement de réfléchir et qui essaye de nous faire réduire ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire que, mis à part quelques psychopathes, voilà, personne ne veut maltraiter et tuer des animaux sans nécessité. Et pour autant, à chaque coup de fourchette qu'on met, quelque part, on participe à faire maltraiter et tuer des animaux sans nécessité. On les tue brutalement, on l'a montré, même dans des tout petits abattoirs, et on les prive de leur vie à un âge encore très très jeune. Enfin, les poulets, ils ont aujourd'hui entre 30 et 40 jours. Donc voilà, c'est des, un mois et quelques. Et chez les bovins aussi, enfin, l'espérance de vie est bien plus élevée que l'âge auquel on tue tous les animaux qu'on consomme. Vous avez un discours très très pessimiste ou... Non, alors on va voir aussi une question. Est-ce que, pardon, pas pessimiste, réaliste. C'est ça ma question. Est-ce que vraiment ça va aussi mal? Il n'y a pas une petite amélioration? Parce qu'on a l'impression qu'avec les crises sanitaires, L214, merci, il y a quand même une prise de conscience, notamment sur les œufs de batterie, tout ça, non? Alors, il y a une prise de conscience qui se sent très fortement chez les citadins. Alors, mais un petit peu partout en France, en tout cas, par rapport, si on regarde il y a 5 ans en arrière, c'est juste assez incroyable la place qu'a pris le débat sur la question animale. Et il y a les citoyens déjà qui se prennent en charge. On parle maintenant de flexitariens, c'est-à-dire des personnes qui ont réduit leur consommation de produits d'origine animale, ce qui est déjà un pas super important. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est embrayé. Au lieu d'une immobilité, on commence à avoir une mutation. Et puis, on voit aussi au niveau des distributeurs, c'est la deuxième partie. Spoiler. Mais effectivement, on va justement passer du côté vegan de la force. On va aller du côté vegan de la force pour avoir un petit peu plus de moral. Je voulais juste savoir la date de création de L214. Officiellement, on a été créé en 2008. 2008. Et officieusement. Pardon? Et officieusement. Officieusement, Stop Gavage, c'était 2003. Et puis les réflexions, enfin, elles sont au long cours sur les personnes qui sont fondatrices. On a beaucoup lu les textes, notamment publiés par les cahiers antispécistes, où il y a des réflexions, des questions de stratégie. Il y avait aussi, à l'époque, en tout cas,
des articles sur des associations qui étaient à l'étranger. L214, on est très curieux en fait de ce qui se passe dans les autres associations, qu'elles soient sur la question animale ou sur d'autres questions. On apprend beaucoup des autres, enfin on n'a rien inventé, on a juste... La France, on est encore bien à la traîne, mais on essaie de refaire notre part. Mais on est bien. Je ne suis pas sûre, quand vous disiez que personne ne va faire de mal aux animaux, je ne suis pas si certaine que ça, parce que si on prend l'exemple de l'affaire de l'île Vache, dans la Somme notamment, c'est quand même bien un industriel du bâtiment qui a créé ça dans la Somme, donc là, il y a le rapport à l'argent qui, de toute façon, c'est surtout ça qui fait que qu'un faire un industriel du bâtiment... Alors, moi, c'était ce que tu racontais sur le discours scientifique qu'avait l'INRA pour justifier le fait que c'était pas grave et que les animaux, finalement, pouvaient supporter bien ça. C'est aussi quelque chose qu'on trouve sur la santé. Oui. Parce qu'on a quand même un discours des nutritionnistes en France et même du plan national de nutrition santé. Était sur les cycles précédents, il disait qu'il fallait consommer une certaine quantité minimum de viande et de poisson. Encore maintenant. Alors, oui, ils ont un petit peu amélioré leur copie, alors que par exemple, l'association des diététiciens américains, c'est ça, l'association des diététiciens américaines, recommande depuis plusieurs années qu'on peut être végétalien et très bien vivre si notre régime est adapté. Quoi. Donc il y a vraiment, en France, là, c'est pour le coup très en retard. Voilà, scientifiquement, alors que les humains s'en font partout, pareil, il n'y a pas de justification. Je pourrais dire que les Américains peuvent tous manger, avoir une nourriture végétalienne plus que les Français. Donc c'est quand même. Alors le PLNS de cette année est un peu mieux parce qu'en fait, comme ils ont pris en considération ce qui est sorti, ce que l'OMS a sorti, disant que la viande rouge était mauvaise pour la viande rouge. D'ailleurs, avec des incidences sur le cancer, alors viande rouge probablement, et puis viande la charcuterie, c'est, il y a une incidence certaine. Elle a revu tout ça à la baisse, et maintenant elle dit qu'il faut un minimum pour les produits laitiers, mais elle ne dit plus pour la viande. Parce que déjà quand même une avance. Voilà. Donc en fait, depuis la consommation de viande, elle a chuté, elle a un petit peu chuté depuis 1998. Jusqu'en 2014, on a perdu à peu près 10%, et sur 2016, on a perdu à peu près 10% aussi. Voilà, donc ça, c'est des chiffres, mais c'est une baisse qui n'est pas au goût de tous. À l'Assemblée nationale, par exemple, Florence, est-ce que tu pourrais nous parler des freins que tu as rencontrés, par exemple, quand tu as soutenu la proposition de loi d'Yves Jégo d'un menu alternatif végétarien dans les cantines scolaires, qui pour autant n'a pas été abattu. Juste pardon, je vais pas répondre tout de suite à ta question, parce que ce qui a été dit avant sur la question de discours scientifique sur tel ou tel sujet, que ce soit santé-environnement, que ce soit sur le sujet de la condition animale, etc. Moi, je sais que sur la question des ondes électromagnétiques, qui était donc le sujet de ma proposition de loi, ça a été typique, c'est-à-dire que j'ai toujours refusé de rentrer dans une discussion scientifique sur la question des ondes électromagnétiques, comme, de la même façon, sur la question des animaux, on peut y rentrer, il faut le faire, je veux dire, mais en même temps, le rôle du politique n'est pas justement d'être un scientifique. Et moi, les présuppositions que j'ai pu avoir ne sont pas basées sur des débats scientifiques, mais sur une conviction politique. Et je crois que c'est important de faire la différence. C'est-à-dire que si on rentre que ce soit d'ailleurs dans un conseil municipal ou à l'Assemblée nationale, partout où il y a un débat entre élus, ce débat doit évidemment se faire avec des connaissances. Il faut écouter les experts sur tel ou tel sujet, mais après, ce qu'on doit porter, c'est bien une conviction politique. Et donc, si notre conviction politique est de dire qu'il faut diminuer la consommation de produits carnés, parce qu'effectivement, on sait que c'est important pour la santé, mais on sait qu'il faut, par exemple, si on continue à manger du poisson comme on mange du poisson aujourd'hui,
on en parle très peu de toute façon, donc je ne dis pas de poisson, mais c'est important de le dire, c'est-à-dire que dans, personne n'en parle, ou très peu, ou ne s'est pas du tout écouté, mais dans quelques années, et ça va venir assez rapidement, il n'y aura plus du tout de poisson. Ce qui va induire des problèmes, ça c'est celle qui en parle très bien, s'appelle de l'association, si jamais la TSM. Lamia Essemnali. Lamia Essemnali, qui est venue à une réunion publique que j'avais organisée avec, avec Brigitte, elle en parle parfaitement bien. On a tendance à oublier les poissons, mais les poissons, eux, ils parlent pas, ils tuent pas, ils disent rien, mais ils disparaissent, tout simplement parce que, en fait, on est en surconsommation de poissons et que là, on aura des effets majeurs sur l'environnement. Absolument terrifiant d'ailleurs si on regarde un peu. Mais voilà, se méfier toujours de la controverse scientifique dans laquelle nous, politiques, on sera toujours perdants. Ce qu'il faut avancer, c'est les convictions politiques, les expliquer en s'appuyant sur tout un tas de choses, mais ça peut être, c'est pas forcément sur des données scientifiques, ça peut être sur des convictions politiques ou des convictions personnelles qui rejoignent les conditions politiques. Alors, maintenant, ta question, c'était sur... Oui, alors à l'Assemblée nationale, il faut savoir que les députés ont très peu de temps pour faire, pour mettre en débat et vote des propositions de loi. Il y a les projets de loi qui sont défendus par le gouvernement, les propositions de loi par les députés. Pour pouvoir défendre une proposition de loi, un député, d'ailleurs un sénateur, doit obligatoirement être inscrit dans un groupe politique. Il faut que le groupe politique, à l'intérieur du groupe politique... Il y a un accord des membres du groupe pour que dans la journée d'initiative parlementaire du groupe soit débattu ce texte. On appelle ça plus familièrement la niche parlementaire. Ce sont des temps extrêmement restreints, particulièrement pour les petits groupes politiques. Le groupe politique des écologistes avait une journée par an de possibilité de mettre en débat des textes. C'est pour dire que, et typiquement si on avait eu plus de temps, moi j'aurais repris... la proposition d'Yves Jégot sur l'alternative végétarienne dans les cantines. Ça aurait été intéressant parce que peut-être qu'on aurait pu obtenir les voix justement des centristes sur ce sujet-là, puisque ça aurait été un peu un copier-coller de leur texte. Pas très élégant de faire ça, mais on peut le faire quand même. Voilà. Sauf qu'on n'a pas eu la possibilité de le faire, ni de mettre en débat des textes sur la corrida, ni de mettre en débat la proposition de loi qui est faite sur la question du gavage des oies. Donc on a, voilà, le temps du parlementaire est extrêmement restreint dans son initiative. Après, on a des possibilités d'amendement sur les textes les textes du gouvernement, ce qu'on ne manque pas de faire, mais enfin... C'est quand même assez compliqué. Donc ce texte d'Yves Jégot était intéressant, il n'a pas été mis en voie. Cela étant, ça existe par ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas dans la loi qu'il ne peut pas se faire à la mairie du 2e arrondissement, Annie Lameur, qui est la directrice de cabinet du maire Jacques Bouteau, maire écologiste, il y a un système de journée... Une journée par semaine. Une journée par semaine et une alternative. C'est ça. Et une alternative. Voilà. La mairie de Saint-Étienne, qui n'est pas une mairie de gauche, a mis en place l'alternative végétarienne et bio tous les jours, etc. Il y a des initiatives qui existent dans les territoires et ça, on peut le faire même s'il n'y a pas de loi. Donc la loi est intéressante parce que ça pose, ça donne un sens un peu national, je dirais. Alors après, une des grandes difficultés, un des grands freins à tout ce type de texte, c'est typique par exemple par rapport au foie gras, c'est le territoire. Si on est député de là où on fait du foie gras, des départements du sud-ouest, et que on défend une proposition de loi interdisant le gavage des oies et des canards, je peux vous assurer qu'on n'a aucune chance d'être réélu. Et même si on ne se bagarre pas contre une telle proposition à l'Assemblée nationale, vos électeurs vont vous dire « mais c'est pas possible, vous allez vous faire accueillir avec des sacs de fumier à votre permanence quand vous allez rentrer chez vous ». Donc il y a une grande violence territoriale, c'est vrai aussi pour le vin. Par exemple, dès qu'il y a des textes sur
par exemple en termes de santé, pour informer les consommateurs sur les bouteilles, sur la présence de pesticides, par exemple, dans l'eau, je ne sais pas, à ce moment-là, tous les députés des régions viticoles, et ça, il y en a plus que de députés du foie gras, montent au créneau, et d'ailleurs, la loi Évin, pendant le mandat précédent, était affaiblie, parce que les parlementaires issus des régions viticoles se sont battus. Donc, un des grands freins, évidemment, c'est cette territorialisation qui pose la question de l'indépendance du député par rapport au territoire, ce qui est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on a pourquoi pas faire des listes nationales, donc être détaché du territoire, sachant que l'autre chambre, le Sénat, pourrait être une chambre des territoires. Enfin, il y a des réflexions à avoir aussi par rapport à cette indépendance du député, qui est député de la nation, avant tout, mais qui est aussi député d'une circonscription. Il est élu par des gens dans une circonscription aujourd'hui, et donc ça peut donner des résultats très compliqués. Après, il faut savoir que la très grande partie des parlementaires appartiennent à des groupes d'études. Donc moi, j'étais présidente d'un groupe d'études que j'ai créé, en fait, parce qu'il a été accepté. Quand j'ai vu dans la liste des groupes d'études, si un jour ça voulait vous amuser, je pense que ça va se trouver sur Internet, la liste des groupes d'études de l'Assemblée nationale. Il y a des groupes d'études sur tout et n'importe quoi. Mais vraiment, tout et n'importe quoi. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et le groupe biodiversité, c'était nulle part. Bon, je me dis, et je me suis trouvée présidente du groupe d'études sur la biodiversité. Ça n'a pas attiré grand monde, mais j'ai quand même fait quelques auditions. J'ai un peu fait vivre ce groupe d'études. Peu de députés étaient présents. On a travaillé entre autres sur les cétacés, ce qui nous a amené à travailler sur les delphinariums, etc. Donc il y a quand même eu. Et on arrive à des choses quand même au final sur la question des dauphins. Bon. Enfin, je pense qu'il y a un groupe d'études important, c'est celui de la chasse. C'est de loin le groupe d'études le plus important de l'Assemblée nationale, et puis c'est avec une grande centaine de députés du Sénat. Députés de tous bords politiques, et qu'on va retrouver aussi sur les sujets, alors chasse et défense des traditions culinaires du rôti du dimanche midi, ou je ne sais pas quoi, ou de la blanquette de veau. Donc, tous ces députés vont se retrouver aussi sur d'ailleurs des sujets comme la corrida, tout ce qui est entre guillemets, je mets vraiment des guillemets, tradition. Et très lié aussi aux organisations professionnelles, lesquelles organisent tout un tas de manifestations à côté de l'Assemblée nationale, très régulièrement. Et c'est comme ça que moi j'avais fait un documentaire, j'ai participé à un documentaire produit par Canal, par M6 pour l'émission Capital. Et on le retrouve plus sur Internet, c'est dommage parce qu'il est assez marrant. Et j'ai fait une caméra, j'ai brisé un peu les lois de l'Assemblée, j'ai fait une caméra cachée avec une collègue, on est allés toutes les deux dans une de ces manifestations organisées par un lobby, c'était le lobby de la charcuterie industrielle. Et je suis partie avec un sac, avec une caméra à l'intérieur, etc. Bref, je raconte pas, c'était un peu de James Bond et tout. Et j'ai filmé un truc, moi je n'ai jamais allé. Et parce que d'ailleurs, je ne suis jamais retournée après. Je ne suis jamais allée, j'étais jamais dans ces réunions de lobby. Mais ces réunions de lobby, elles sont en lien étroit avec ces fameux groupes d'études. Et donc, il y a, alors là, c'était la charcuterie industrielle, mais ça aurait pu être les professionnels de la viande bovine ou tout autre chose d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas forcément lié à l'alimentation. Mais l'agroalimentaire est quand même très présent parce que ce sont des intérêts très importants. Localement sur les territoires, ce sont des emplois, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi de l'économie là-dedans. Et donc, et là, sur cette histoire de charcuterie, tout simplement, le lobbyiste a expliqué, et je l'ai filmé, qu'il fallait surtout ne pas voter d'amendements ou de textes qui puissent permettre la traçabilité de la viande dans la charcuterie. En disant que les industriels, les artisans de la charcuterie travaillaient très bien, et qu'il ne fallait surtout pas mettre de contraintes. C'est toujours l'idée, on va en contraint. Alors, si on met des contraintes, on va perdre des emplois dans la filière, etc. On va se... Bon. Et donc, ce documentaire, cette présence active,
actives que j'ai eues à cette réunion m'a valu après, évidemment, tout un tas d'opprobre de la part de mes collègues à l'Assemblée. C'était assez violent. Mais bon, en même temps, moi, j'étais tellement félicitée par des tas de gens autour que je me suis dit, j'ai bien fait de le faire. Mais en interne, c'était quand même assez compliqué. C'est difficile de s'opposer. Ces pratiques de lobbying, et sur ces sujets-là, sont vraiment très féroces. Ils sont très organisés. C'est-à-dire que quand il y a sur un texte tel ou tel amendement de déposé qui pourrait aller contre les intérêts de cette filière-là, immédiatement, on va avoir des députés présents en séance pour rentrer dans le débat et pour faire que toute tentative. On a eu une tentative d'introduire dans le Code civil le fait que les animaux doués de sensibilité, etc., mais on doit répondre aux impératifs de leur biologie, de leurs espèces. Ça veut dire, par exemple, ça reviendrait à interdire le fait qu'on mette les cochons sur les caillebotiers, par exemple. Alors là, ils étaient tous là pour monter au créneau et faire que ce type de ça ne puisse pas passer. Et d'ailleurs, là, le gouvernement, évidemment, était contre, etc. Et c'est compliqué parce que ce même lobby, je dirais, est évidemment éminemment implanté dans l'administration et dans le gouvernement. Donc c'est pour ça qu'on est face. Alors c'est là que la situation est un peu noire, d'un point de vue un peu obscur, d'un point de vue parlementaire. En revanche, ce qui est très intéressant de voir, c'est cette baisse de consommation de la viande. Alors on ne parle pas de poisson malheureusement, mais en tout cas de la viande. Et de voir à quel point. La directrice de Monoprix, développement durable de Monoprix, me voit en permanence. Et on a discuté de ça, et eux mettent en place, d'ailleurs toutes les grandes enseignes mettent en place maintenant des rayons, des trucs vegan, etc. Donc ils ne sont pas idiots, ils entendent ce que dit la population, ils entendent ce que disent les associations, ils voient bien les ventes, etc., ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ils sont là aussi pour faire de l'argent, hein, évidemment, avant tout. Et donc aujourd'hui, économiquement parlant, il y a aussi un secteur qui est porteur, sans doute, qui est celui d'une consommation différente en dehors du circuit classique, traditionnel, entre guillemets, carné, poissonné. Oui, on n'a pas oublié poissonné. Non, je parle de ça parce qu'on oublie, ça serait intéressant de faire un truc sur les poissons. On parle souvent de la consommation de viande, en effet, et pas celle de poisson qui est. Même si c'est aussi de la viande, on ne dit pas viande en général. Quand on pense on dit viande, on ne pense pas poisson. En effet. Donc, c'est de la viande. Et ce que tu disais sur Monoprix, donc en fait, sur toutes les consommations alimentaires, donc qu'elles soient grandes consommations, donc tu ne fais pas de Monoprix par exemple, mais il y a la gamme Veggie de Carrefour qui est aussi sortie. J'ai vu même que Fleury Michon avait sorti une gamme, hein, c'est quand même assez. Oui, j'ai vu aussi. Une gamme quoi aussi. Bah, une gamme vegan. C'est la viande plastique. Pardon? C'est pas de la viande plastique, c'est pas de la viande. C'est soit du tofu, soit du soja, d'autres protéines en fait. Est-ce que j'ai remarqué que selon ces marques, les publicités, certaines sont pour ce type de produit, donc ils sont honnêtes, ils font de gamme veggie, ok. On peut critiquer le fait de donner de l'argent à ces entreprises, mais. Ok. Et il y en a d'autres, et ça l'industrie du tabac l'a fait, c'était financé par l'État français, je crois, pendant 3 ans, des campagnes contre le tabac qui ont fait inciter les jeunes à fumer, parce que la campagne avait été offerte par l'industrie du tabac. Et certaines des publicités des marques de viande qui font du végétarien, la publicité décrédibilise le produit et le fait de manger végétarien. Et on se demande jusqu'à quel point ils ne font pas une gamme végétarienne pour gagner un peu d'argent, mais au niveau publicitaire, ils ne veulent surtout pas décrédibiliser la viande. Et ils font... Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'ils utilisent le fait qu'ils sont produits végétariens pour critiquer les véganes au passage. J'ai vu ça à la télévision, je ne sais plus quelle marque c'était, mais c'était typiquement une marque très forte sur le créneau. Non, mais ce qui est dit en fait, c'est que. Juste pour revenir, parce qu'ils mettent des produits, par exemple des steaks véganes, mais qui ont vraiment la texture, la photo du steak pas vegan, viande. Et donc ils font la promotion finalement du steak de boucherie, la promotion du steak vegan parce qu'ils ont packagé le truc super bien. C'est la limite qui se substitue en effet, c'est qu'elle se substitue, donc elle veut remplacer, mais c'est ce qu'ils disent d'ailleurs.
l'association de la viande. Ouais, c'est ça. C'est un faux monde. Pour avoir goûté, c'est vrai. C'est vrai. Donc, comme je disais, sur la grande distribution, il y a un engouement pour la nourriture végétale. Mais on va faire des questions après, on est encore aussi bien, c'est parti. Ouais, tu voulais. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est. C'est pas grave. Vas-y, vas-y. Donc, voilà la grande distribution, mais aussi les grands chefs s'y mettent. Oui. Ouais. Donc, par exemple, il y a l'atelier de Joël Robuchon, qui est 2 étoiles au Michelin, donc à Paris, qui a inauguré un menu végétarien 2015. 3 étoiles. Il y en a qui s'y connaissent. Ah ben, je de mettre. Non, parce que c'est vrai que d'accord. Les grands chefs, vraiment, je suis en train de me demander, je les écoute souvent, si vraiment ça ne va pas venir de. Parce qu'ils parlent, enfin, des grands, les Robuchon et tout ça, parlent beaucoup de ça. Ouais. De légumes. Il y a ce fameux chef qui ne cuisine que des légumes depuis une vingtaine d'années, donc on a un vrai problème. C'est ça. Non, ce que je voulais dire simplement, c'est que ce qui moi m'est apparu il y a maintenant à peu près 20 ans, une amie était végétarienne, alors elle n'est plus depuis, mais enfin bon, bref, elle faisait la cuisine végétarienne, donc je mangeais végétarien avec elle, c'était vraiment pas bon du tout. Mais vraiment. Et donc c'était un peu décourageant, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un côté, ce que je constate, depuis un certain temps, c'est que quand je parlais tout à l'heure de la cuisine française, quand même un fleuron mondial d'inventions, de choses, et qui a continué toujours à être inventive et créative. Et là, je pense que dans la cuisine à base de végétaux, il y a aussi, j'ai l'impression, une inventivité, une créativité qui a émergé. Ça, c'est relativement récent. Puisque quand moi j'ai remangé des trucs, des repas végétariens, vegan, je me suis dit, ah là quand même, c'est bon quoi, enfin, ça n'a rien à voir, donc ça donne envie, tout simplement parce que c'est bon, et qu'à partir de là, ça passe beaucoup plus aussi auprès de gens à qui on ferait découvrir ce type d'alimentation. On est quand même encore au bout du compte, quand, je ne sais pas si ça vous arrive, mais si vous êtes dans un restaurant et que vous demandez un plat végétarien, ça arrivait récemment qui ne suis pas végétarienne d'ailleurs, mais je demande un plat végétarien, on me répond, est-ce que vous êtes malade vous faites un régime ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, il y a cette ironie. C'est pas forcément, il y a une espèce d'ironie. Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas seulement parisien. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que c'est assez urbain, mais pas que. On voit dans des campagnes, maintenant, des gens qui proposent des petits restaurants, qui proposent une assiette végétarienne. Donc c'est vrai que ça rentre un peu dans ça rentre dans les mœurs. C'est par là aussi que ça va changer. Oui. Et c'est vrai que, comme tu dis, avant, le menu végétarien, c'était soit pour... il y avait aussi une connotation austère. Voilà. L'austérité, nourriture qui était peu délicieuse. Donc en effet, il y a eu plein de. Enfin, je pense que ça vient vraiment sur plein de strates en fait. On se rend compte que la grande distribution change, aussi les grands chefs changent. Vous parlez de Robuchon, il y a aussi le Bocuse d'Or, donc qui est un concours qui se fait tous les 2 ans. Donc de 2017, là, c'était la 30e édition. Ils ont demandé, ils ont fait un menu imposé. Ils ont demandé à tous les candidats de produire un menu qui était 100% végétal. Donc, de l'entrée au dessert. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi plein de restaurants. Donc, j'ai quelques chiffres là. On serait passé d'une centaine de restaurants vegan ou végétariens au début des années 2000 à plus de 1000 en 2014. Donc, vraiment une explosion. Et on parle même d'une veggie town à Paris, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Je ne suis pas allée parce que. Comment veggie town. Un quartier. Comme le Chinatown. C'est dans le 11e. Ah, ouais, c'est veggie town. 10e, 11e arrondissement. Ah, il y a eu des anecdotes là-dessus, parce qu'il y a 2 magasins végétaux vegan qui ont été créés, et ils ont dit on l'a mis pour montrer qu'ils étaient, que c'était pas là, on l'a mis en dehors du quartier veggie pour montrer que c'était plus large que simplement le. Oui.
Donc ça prend partout. Et par exemple, la 214 a, donc, dans une de ses missions, c'est aussi d'œuvrer pour faire connaître les méthodes alternatives à la viande. Et vous avez aussi une campagne qui s'appelle Vego Resto, mm-hmm. et qui du coup propose des choses, enfin demande au chef de vous appelez les chefs, vous leur dites que vous venez dans un. Enfin, que vous venez chez eux un certain jour, vous leur demandez de produire un repas végétalien de A à Z. Voilà, c'est le principe du carotte mob, c'est-à-dire qu'on encourage. Alors on a les opérations de boycott où là on demande de ne plus consommer un produit pour des raisons éthiques par exemple, et il y a le carotte mob qui lui au contraire est un outil d'encouragement. Et dans 40 villes, bon bah le carotte mob, ça nous correspondait bien aussi, hein, puisque ça parle de 40, mais dans 40 villes de France aujourd'hui on a des ambassadeurs Vego Resto, donc des équipes de 2-3 personnes. Qui démarchent des restaurants classiques, en leur disant ben voilà, le temps d'une soirée, on privatise le restaurant et on vous amène tous les convives à condition que vous nous prépariez un repas 100% vegan. Et ça marche très très bien en fait, les soirées sont pleines et les restaurateurs sont en fait très contents. Ce que tu disais tout à l'heure sur la créativité, on le voit bien sur les chefs qui disent bah tiens, pour une fois, moi ça me sort de mon quotidien, je peux mettre ma créativité à ce service-là. Et donc Vego Resto, il y a cette partie défi qui est posée chaque mois à plusieurs dizaines de restaurateurs. Et puis il y a la partie du site vegoresto.fr où on référence les restaurants qui ont pérenne à leur carte. Une option 100% vegan, donc de l'entrée au dessert, vous pouvez manger vegan dans ces restaurants-là. Il y a un macaron sur les devantures en principe. Et on en a de plus en plus. Aujourd'hui, il y en a 800, un peu plus de 800 qui sont référencés. Chaque semaine, il y en a des nouveaux qui s'ajoutent. Aujourd'hui, on commence à accélérer le rythme, on va se tourner vers les chaînes, puisque il y a aussi beaucoup de personnes qui mangent notamment à midi, vite fait sur le pouce, dans des chaînes. Ce serait chouette qu'on ait le choix. Il y a ce qu'on disait tout à l'heure sur la restauration scolaire. Là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, avec d'un côté un décret qui impose une présence des produits d'origine animale à tous les repas et avec une fréquence de présentation de certaines viandes et des poissons. Donc là aussi, il y a un travail à faire. Alors là, pour le coup, un travail de lobbying auprès des députés, auprès du ministère, de façon à faire modifier ce décret qui regarde la restauration scolaire, universitaire, pénitentiaire, hospitalière. Mais maintenant, un certain nombre de communes interprètent les textes à leur façon, et d'ailleurs, il n'y a pas de décret d'application qui sont sortis de ce truc-là, jamais. Et donc, il y a le repas standard, et puis, au choix, des options végétariennes ou végétaliennes qui sont en train de se développer. Et je pense que dans les années à venir, ça va être vraiment ce qu'il va falloir essayer de faire, parce que on est quand même une espèce animale assez fainéante, il faut bien le dire. Et que si on a des choix, le fait de ne pas avoir le choix, on va pas forcément chercher à négocier quand on va au restaurant, on va prendre ce qu'il y a à la carte. Mis à part justement des gens qui ont le geste militant de dire bah non, écoutez, moi je ne consomme pas un certain nombre de produits et j'aimerais avoir une assiette qui ne contient aucun produit d'origine animale. Et là, on est obligé de négocier avec le restaurateur. La plupart des gens, j'avais pas envie de manger de la viande midi, mais s'il n'y a que ça qui m'est proposé, c'est ce que je vais prendre. Donc l'idée, notamment en restauration d'entreprise, en restauration scolaire, c'est qu'il y ait le choix. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir essayer de développer dans les années à venir. C'est une forte demande de la part des usagers, notamment en restauration d'entreprise. On a plusieurs usagers d'entreprise qui nous disent moi dans mon entreprise, j'ai pas le choix, j'aimerais bien l'avoir, est-ce que vous pourriez m'aider à mettre en place. Donc ça va être ça dans les années à venir. Il y a ce qu'on peut faire chez soi aussi, c'est pour ça qu'on a développé le site Vegan Pratique, avec tout un tas de trucs, d'astuces, de recettes, et puis des informations sur la nutrition aussi, parce que souvent on est démunis, comme tu le rappelais, au niveau français, au niveau du PNNS, on n'est pas gâtés. On a encore une forte incitation à consommer des produits d'origine animale. C'est dit à peu près nulle part, alors il faut chercher des petites lignes qu'on peut consommer autrement,
sans consommer des animaux ou des produits d'origine animale. Donc il y a tout un défi par rapport à ça. Et on a fait un petit programme d'accompagnement en 21 jours qui s'appelle le Veggie Challenge. Et en fait, on l'a lancé au mois de juin. Et il y a déjà 10 000 personnes qui se sont inscrites et qui ont fait le programme. On a des retours qui sont très positifs sur ce programme d'accompagnement avec des recettes, des conseils nutritionnels, des petites infos, des astuces. Même le site Vegan Pratique, c'est un de nos sites qui marche le mieux. On a à peu près 3 000 visiteurs par jour sur le site, ce qui est juste énorme. Voilà, et Vegan Pratique, la partie qui intéresse surtout, c'est les recettes. Parce que finalement, on a tous et toutes, enfin, on est très peu à être nés végétariens ou vegan. Hein. Enfin, moi, j'ai mangé de la viande jusqu'à mes 20 ans. Le modèle familial que j'avais, c'était viande à midi et le soir. Et du coup, il a fallu se réadapter. Quand nous, on est devenus végétariens, c'était il y a longtemps. Et du coup, il n'y avait pas Internet. Et la seule chose qu'on a faite, c'est qu'on a retiré la viande et les poissons de nos assiettes. À l'époque, on mange encore des œufs et du lait. Et on a juste retiré de nos assiettes. Et on s'est dit, à ce moment-là, on fait une croix un petit peu sur la gastronomie. Et voilà, quelques années plus tard, en rencontrant d'autres personnes qui avaient fait ce choix de ne pas manger de viande pour ne pas faire tuer d'animaux, on a découvert qu'il y avait une vraie gastronomie végane qui existait. Et chouette. Donc voilà, maintenant, on mange bon, équilibré, varié. Alors qu'avant, on avait vraiment juste retiré les produits de nos assiettes. Quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer. Alors là où il y a un truc intéressant, c'est que les supermarchés qui se sont emparés de substituts, d'options végétariennes ou véganes, ne l'ont pas fait pour les végétariens ou les véganes qui sont encore assez peu nombreux, mais plutôt pour la proportion des gens qui ont décidé d'embrayer, de commencer à modifier leur alimentation et donc du coup de les accompagner dans ces changements. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et là, dans ce qui arrive là bientôt, il y a les états généraux de l'alimentation, où il va y avoir des discussions qui pourraient être intéressantes. Maintenant, voilà, nous, on n'a pas encore l'ensemble des acteurs qui sont invités à discuter, mais on a demandé à pouvoir y parler. Pour l'instant, on se heurte un peu à une porte. Voilà. Mais on peut revenir aussi sur l'histoire des abattoirs, le comité national des abattoirs qui se met en place, qui faisait partie des propositions de la loi de l'IFAB Learning que tu as co-signée, proposer justement la création de cette instance et pareil, L214 et d'autres associations ne sont pas les bienvenus dans ce comité national des abattoirs. Du coup, on peut se demander quel est son rôle. Est-ce que ça va être juste encore un rôle pour essayer de rassurer les consommateurs en leur disant « mais ne vous inquiétez pas ». On regarde, on a mis des contrôles en place, on s'en occupe, on va mettre des caméras, les services vétérinaires vont regarder. Les services vétérinaires, on les a quand même pas mal mis en cause dans les carences des contrôles dans les abattoirs. Évidemment, eux, leur mission, elles sont très larges, entre regarder les animaux avant qu'ils meurent, regarder de quelle façon est faite la mise à mort, et puis regarder ensuite les carcasses. Ils se concentrent évidemment sur les parties qui auraient un risque immédiat sanitaire qui se verrait, alors que les animaux en souffrance, on le verra seulement s'il y a quelques personnes courageuses qui viennent pour témoigner. Si avec L214. Voilà. L214 peut arriver parce qu'il y a aussi des gens qui sont heureux d'y aller, des employés comme Mauricio Garcia Pereira, par exemple. Qui a osé briser le tabou. Et voilà, enfin, il y a vraiment. Il y a des journalistes aussi, Geoffrey Guilcher qui a témoigné, il y a eu Olivia Wakiev. Je suis très sociaux parce que d'ailleurs, il a été un peu maltraité par la communauté dans laquelle il vivait. Mais j'ai eu l'impression. Oui. Non, ça va. Non, ça va très bien. Oui, ça va plutôt bien pour lui. Au contraire, quoi. C'était très dur. Ça a été difficile. Ça a été très dur au début. Mais c'était moins pire que ce qu'on attendait. Nous, quand on a été en contact avec Mauricio, ce qu'on lui avait suggéré, c'était de rester anonyme, comme on le fait avec la plupart des gens qui nous contactent, en disant on ne sait pas la réaction des collègues, de vous êtes implanté dans la ville ou dans la commune, et pour vous, témoigner, ça peut s'avérer dangereux quand même. Et lui, vraiment, il a dit « Non, moi, je veux le dire, je veux témoigner, je veux qu'on m'entende. » Et
voilà, et il continue hein, enfin, son combat sur l'abattage des vaches gestantes. Pour lui, c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, c'est quelque chose qui l'a extrêmement choqué. Et bah, il a envie de continuer de porter ce combat, d'arriver peut-être à une proposition de loi, à une interdiction d'abattre des animaux qui attendent une petite. Quoi. Enfin, c'est quoi sa communauté en fait, c'est... Je n'ai pas compris. Celui-là, enfin, c'est pas sa communauté. Je parlais de il est sur du village, là, oui. Droit où il habite. Bah, il habite en ville, hein. Il habite en ville, et c'est à Limoges. Ouais, ouais, c'est un... Donc, on a entendu ce que tu disais là, sur la plage des vaches. Les vaches gestantes. Pourquoi ils font ça? Peut-être les vaches gestantes. C'est plus lourd, c'est long l'histoire. On va arrêter la semaine. Oui, je voudrais bien tout ça. Donc voilà, et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a assez peu d'attention finalement au niveau politique. Alors, il y a quelques députés qui se battent et t'en fais partie. Mais globalement, au niveau politique, on n'est pas sur des décisions d'intérêt général. On est vraiment sur la défense d'intérêts particuliers. Et ben c'est finalement là où le bât blesse, parce que si on regarde l'intérêt général, donc il y a bien évidemment les questions d'environnement, de santé, de partage des ressources, les questions sociales, on l'a vu avec les ouvriers d'abattoir, justement, et puis les gens qui travaillent dans les élevages, il y a les questions d'argent public, et évidemment la question de l'éthique. Est-ce qu'aujourd'hui... 21e siècle, on sait que les animaux sont des êtres doués de sensibilité, on sait qu'on peut très bien se passer de produits d'origine animale et vivre en bonne santé. Comment ça se fait? Je suis encore aujourd'hui plus de 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs terrestres, et puis des dizaines de millions de poissons qui sont pêchés aussi quotidiennement, de façon à approvisionner en marché qui ne s'arrête plus. Quoi. Et sur... on est encore sur une industrialisation d'un côté, et de l'autre côté, quand même, la société est en train de dire, attendez, on remet en question ce modèle, avec un début de modification des habitudes alimentaires, et c'est là où il va falloir encourager ce changement d'habitude alimentaire, de façon à peser d'une certaine façon sur le marché. Et c'est ce qui est en train de se passer sur les œufs. La demande sociétale, elle est forte en disant, bah non, c'est insupportable d'avoir des poules élevées dans des cages. C'est une pratique absolument inadmissible aujourd'hui. Et du coup, on se tourne vers les supermarchés, vers les fabricants, vers les restaurateurs, en leur disant, bah, écoutez, là maintenant, ça y est, c'est le bon moment. Il faut prendre une décision, se mettre un objectif, s'y tenir. Et nous, on se sert de la force d'aile de santé en disant, écoutez, si vous n'y allez pas, on va révéler le fait que vous ne souhaitez pas vous engager sur ces questions qui sont demandées par la population. 90% des gens sont opposés au mode d'élevage qui ne laisse pas d'accès à l'extérieur aux animaux. On est en démocratie ou on n'y est pas, quoi. Donc il y a vraiment cette question qui est très très forte. Et après, la question de la légitimité de tuer les animaux pour les faire manger, c'est une question qui est en train de monter aujourd'hui, qu'il faut entendre, qui n'est encore pas résolue, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, n'empêche que cette question d'éthique animale, elle commence à me sonner aux oreilles. Quoi. Est-ce que vraiment mon plaisir à manger de la viande justifie de tuer des animaux, quoi? Enfin, vraiment, il y a une question à se poser là-dessus, c'est celle que nous, on veut, au plus c'est pour nous, la réponse, elle est claire. Comment justifier, juste parce que j'ai envie de manger de la viande, le fait de faire tuer des animaux et de leur avoir fait vivre aussi pas mal de choses auparavant, quel que soit le mode d'élevage. Voilà. Un mot sur la... L'année dernière, à Lorient, je me souviens avoir eu un entretien assez difficile avec une responsable syndicale de la Coperle, qui est un des plus gros abattoirs de France qui est en Bretagne, et Bouchon. Et donc j'ai pris le temps, parce que je pense que c'est vrai que c'est des démarches qui ne doivent pas être brutales, mais il faut avoir ce dialogue-là. Au bout, avec un début de discussion qui semblait mener nulle part, parce qu'il y avait vraiment une grande violence dans sa... elle exprimait vraiment un grand désarroi et beaucoup de... et était assez violente dans ses propos. Et puis au bout de 10 minutes d'échange, on commençait à arriver à se comprendre. Pas me parler d'amour, mais elle commençait aussi à écouter ce dont je lui parlais. Parce que la problématique, par exemple, de l'élevage, de, là, c'est pas les cochons, mais c'est les poulets, c'est qu'on fait du poulet en batterie, qu'on envoie en Afrique, congelé, où on détruit
évidemment l'économie locale, où les gens ne mangeaient pas beaucoup de poulet parce qu'ils n'ont pas d'argent, etc. Mais le petit élevage de poulet local faisait vivre, etc. Alors ça ne va pas dans le sens de dire qu'on ne mange pas de viande, mais là les gens n'en mangent pas beaucoup, donc on se dirait dans un modèle un petit peu plus vertueux en termes de, voilà, de consommation animale que nous, même s'il faudrait quand même qu'ils mangent mieux que ce qu'ils mangent. En tout cas, là, on voyait des bacs dans des boutiques nouvellement construites dans des villages africains, des bacs à surgeler et des poulets dont nous ne voudrons. Alors là, pour le coup, qui sont quasiment interdits en France parce que c'est des poulets qui sont de. Enfin, je veux dire, qui n'ont plus d'os tellement ils n'ont pas vécu, ils ont vécu dans des conditions épouvantables. Donc c'est des productions spéciales pays sous-développés, entre guillemets, hein, Afrique, etc. On est dans la souffrance animale, on est dans la souffrance humaine des gens qui travaillent dans les abattoirs et dans toute cette filière de l'élevage industriel, ces emplois de l'élevage industriel, il faut réfléchir, il faut que les écologistes aient une réflexion sur ce, quand on parle de modèle de développement, hein, de comment on fait cette transition et ce qu'on fait dans les territoires ruraux et les territoires agricoles, territoires d'élevage, etc. Comment on opère ça? Et ça, pour le moment, je pense qu'on n'a pas été au bout de cette réflexion, on n'a pas été dans cette réflexion-là, à mon avis, suffisamment. Je vous dis là, nous, écologistes, c'est quelque chose qu'on dit qu'il faut faire autrement, mais enfin, en tout cas, on n'a pas proposé très concrètement, et je pense que c'est un peu territoire par territoire, selon les ressources, selon les activités, qu'on pourrait essayer de trouver, faire des propositions. Et ça peut se faire au niveau des départements, des régions, des agglomérations, etc. Pour cesser cette course. Parce que, en fait, les professionnels de la viande, c'est quand même un peu inquiet, il faut quand même le dire aujourd'hui. Quand la filière bovine lance ses pubs à la télé pour dire manger du bœuf, ils ne font pas que ça, ils envoient des équipes dans les écoles primaires, avec tout un tas de jeux, tout un tas de trucs, tout un tas de petits slogans marrants pour expliquer qu'il faut manger du bœuf. Donc c'est Interbev qui a organisé ça dans les écoles. Bon, c'est arrivé un peu tard dans mon mandat de député, et j'ai pas traité ce sujet-là, voilà, ça fait partie des trucs que j'aurais fait si j'avais pu continuer. J'ai pas pu le faire, mais je pense qu'il y a aussi localement, les élus locaux, les groupes locaux élevés doivent être particulièrement attentif à ce qui se passe dans les écoles au niveau alimentaire, parce que les lobbies rentrent dans l'éducation nationale, rentrent dans l'école de façon très facile quand même. Moi je m'étais battue contre le sucre, j'avais un peu gagné là pour le coup, mais par contre bon, le bœuf c'était un peu à la fin. Il y a vraiment un truc, il faut vraiment être hyper vigilant, parce que ça, c'est vraiment au niveau de l'école aussi que ça va changer les choses, sachant que je ne sais pas s'il y a eu des statistiques sur l'âge des gens qui sont véganes ou végétariens. Je pense quand même que c'est une population jeune. Enfin, autour de moi, je vois beaucoup de jeunes femmes, de jeunes gens, beaucoup de jeunes femmes d'ailleurs, mais peut-être en majorité, c'est juste du vécu, ça. Je ne sais pas si c'est statistique, mais... 75% des végétariens sont des femmes. Ah bon, ben voilà. Donc, des femmes, des jeunes femmes qui sont végétariennes. Donc, c'est intéressant, c'est des futures mamans aussi, par ailleurs. Et qui sont souvent impliqués aussi dans les écoles, donc on peut se dire que ça va peut-être faire boule de neige. Juste avant de passer aux questions, je voulais juste lire un passage de livre pour des fois manger des animaux. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est de Jonathan Safran-Foer. Il parle aussi de la tradition. Enfin, c'est de la tradition, du fait de. Parce qu'en fait, son histoire personnelle, c'est que sa grand-mère a survécu à la Shoah. Et du coup, il parle beaucoup de ce que lui a légué sa grand-mère. Donc, lui, c'est un américain, quoi, il parle de sa grand-mère. Qu'elle devait être en Allemagne. Et en fait, ce qu'elle lui a appris de la tradition qu'ils avaient, enfin, ce qu'il a partagé avec elle, c'était en partie ces plats faits à partir de poulet ou de poisson. Et du coup, il se pose la question. Enfin, il se dit qu'une des choses qu'il lui a transmises, c'est ça. Il se pose la question de qu'est-ce que je garde de moi à travers ça. Voilà. Et il y a un petit passage qui est assez intéressant sur la façon dont il est le type, ça va être assez court. Et après, on passe aux questions. Je vais donner là-bas. Alors. Nos décisions quant à la nourriture sont compliquées par le fait que nous ne mangeons pas seuls. La camaraderie de table a forgé des liens sociaux depuis aussi longtemps que l'archéologie nous permet de l'entrevoir. Il y
existe un lien primordial entre la nourriture, la famille et la mémoire. Nous ne sommes pas simplement des animaux qui mangent, nous sommes des animaux commensaux. Les dîners hebdomadaires de sushi avec mon meilleur ami, les burgers à la dinde de mon père, avec moutarde et oignon grillé, pour nos fêtes dans le jardin, et le savoureux gelfish de ma grand-mère pour Pessa, comptent parmi les souvenirs qui me sont les plus chers. Ces moments ne seraient pas les mêmes sans ces plats, et c'est essentiel. Renoncer au goût du sushi ou du poulet rôti, c'est accepter une perte qui va au-delà du simple abandon d'une expérience gustative agréable. Changer de mode d'alimentation, laisser des saveurs s'estomper dans la mémoire, crée une sorte de vie culturelle, un oubli. Mais peut-être cet oubli vaut-il la peine d'être vécu, voire cultivé. Pour me souvenir des animaux et de mes inquiétudes quant à leur bien-être, je peux être amenée à perdre certains goûts et à trouver pour ma mémoire d'autres supports que ceux qu'ils représentaient. Si nous dégustions ces mets particuliers avec ces personnes à part en ces instants exceptionnels, c'était sciemment, parce que nous distinguions ces repas des autres. Il a été enrichissant de renforcer encore ce niveau de conscience. Je suis tout à fait partisan de bouleverser les traditions pour une bonne cause, mais peut-être que, dans ces situations, la tradition n'a pas tant été bouleversée que parachevée. Attendez. Il y avait les vagues gestantes. On prend trois et on... Alors. Je ne sais pas en quoi ça consiste, si vous voulez. Vagues gestantes, ah oui, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est, hein ? Alors, vagues gestantes, ensuite. Hein. Oui. Alors, ce n'est pas une question, mais c'est pour compléter ce que vous venez de dire à propos de l'entrée des lobbies dans les écoles. Et c'est la même chose aussi pour les risques industriels et sols pollués. Les lobbies rentrent dans les écoles. J'ai moi-même assisté à une grande réunion où l'on présentait un programme aux enfants sous forme de dessins animés, très attrayants, très colorés, tout ce qui convient aux enfants, sur le fait de dire que la pollution, eh bien, de toute façon, il faut l'admettre, il faut faire avec. Et on recouvre les sols, et puis on peut à nouveau jouer sur les sols, etc. Et tout ça, c'est sous forme de dessin animé, c'est juste pour compléter. Merci. Moi, je cherche des conseils pour essayer de convertir mon entreprise, mon restaurant d'entreprise, un cabaret qui est assez ample, au bio, en tout cas une partie du bio, quelle stratégie adopter pour les convaincre. Au bio ou au végétal, c'est du végétal. Non, mais déjà bio, parce que... un repas bio sans viande, Je vais vous laisser répondre aux questions. Il y en a eu trois. Non, parce que c'était juste une remarque. Oui. Brice, Alors, l'atelier, c'était tradition culinaire française et véganisme. Ouais. Donc, j'ai une amie qui a voulu faire un plat typique de culinaire français à des amis italiens qui étaient en voyage. Et elle est en transition, donc elle essaie de passer végane. Elle a cherché un plat végane traditionnel. Elle n'a pas trouvé. Elle n'a pas trouvé, donc je veux savoir s'il n'y a pas quand même une tradition cachée. Et si vous avez des idées là-dessus. Un plat français traditionnel, ouais. Ah, tapis, ça va également. Alors, répondre aux trois questions, peut-être. Sur les vaches gestantes, les vaches gestantes, ce sont des vaches qui attendent des petits, et il y a diverses raisons pour lesquelles elles arrivent à l'abattoir. Déjà, il y a le fait que l'éleveur ne sait pas que son animal attend un petit, donc il y a déjà ça. Ensuite, il y a ceux qui le savent parce que c'est une vache de réforme, donc une vache qui a terminé sa carrière d'après lui, qui ne fait plus assez de lait, etc. Et que du coup, le fait de la mettre enceinte, finalement, ça lui fait développer aussi du muscle. Ça l'a fait se remplumer quelque part. Et du coup, il aura un meilleur poids de carcasse. Alors, c'est pas le poids du petit, c'est vraiment le poids de carcasse.
ça a été observé là-dessus, mais enfin vraiment la grosse cause, a priori, ce serait que les éleveurs ne le savent pas. Ils font des échographies, certaines. Bah, certains en font, mais pas systématiquement à l'entrée de l'abattoir. Pourtant, elles sont inséminées. Bah, elles sont inséminées. Oui, elles sont inséminées. Dans les vaches laitières, une des grandes causes de réforme des vaches laitières, c'est qu'elles deviennent rapidement infertiles. D'accord. C'est-à-dire qu'ils les inséminent et ça ne marche pas. Et du coup, bah en fait, si, on est marché, juste ils ont pas eu. Voilà. Après, du point de vue des vaches, est-ce que c'est pire d'être tué quand on attend un petit ou quand on n'attend pas? Enfin, on peut se poser la question de. Enfin, ça reste une mise à mort pour la vache. Pour les vaches, c'est à peu près 5 ans, alors c'est des animaux qui peuvent vivre jusqu'à une vingtaine d'années. Quoi. Combien ? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Oui, oui. C'est un acteur de l'offre de l'animal, c'est rare, mais c'est trop tombé. Après, sur la deuxième question sur le restaurant d'entreprise, alors nous, on n'a encore pas développé de stratégie là-dessus. Je sais qu'il y a des associations, notamment qui sont sur le bio, alors je ne me rappelle plus le nom de l'asso, mais justement sur le développement du bio en restauration collective, ça existe. Après, il semble que l'Association végétarienne de France a été justement à accompagner, donc peut-être il y a des pistes. Et nous, j'espère bien qu'on y arrive dans pas très longtemps, qu'on aura quelque chose à proposer. Mais vous avez un guide à destination des chefs hein, pour apprendre. C'est un vieux. Alors, c'est un guide pour les chefs, mais c'est plutôt des chefs de restauration, de restaurants classiques, pas de restaurants d'entreprise, qui fait plutôt self. Donc, c'est des associations de Chine de France, en effet. La VF, elle travaille sur le sujet. Donc, voilà. Et pour les plats français traditionnels, en fait, ce que tu demandais, c'est un plat traditionnel végétalien d'origine, enfin, un plat traditionnel végan, quoi. Alors, des plats traditionnels végan, en France, évidemment, on n'en a pas des masses, hein, puisque la tradition culinaire française, au moins depuis les années 60, c'est de mettre de la viande ou du poisson au centre des plats, donc on n'en a pas des masses. Par contre, il y a des plats qui ont été véganisés, notamment par Sébastien Cardinal, qui a sorti toutes les recettes traditionnelles en version végane d'une part. Et d'autre part, on peut fouiller dans notre culture, tout ce qui est ratatouille, tout ce qui est le couscous au départ, il n'y a pas de viande dedans, et c'est un mélange de pois chiche, semoule, etc. Il y a le houmous. Grand plat traditionnel à l'égard. Il y a les dalles de l'ancien. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas une tradition de plat vegan appelé tel quel. C'est plutôt des plats régionaux après qu'il faut découvrir, ramener, etc. Enfin, y a beaucoup de gens qui disent « mais moi je mange jamais vegan ». Mais c'est faux. Aussitôt que vous allez manger un sandwich ou falafel, vous êtes en train de manger vegan. En fait. Il y a plein de fois où on mange vegan et on ne s'en rend même pas compte. Alors, n'étant pas vegan, mais faisant aussi des un peu vegan quand même, parce que j'aime bien justement les légumes et tout, je conseillerais la poêlée de champignons, la salade de lentilles, les légumes braisés, tout ce qui est endives, fenouil. Voilà, c'était mes petits conseils, c'est ce que je fais moi, parce que j'aime bien. Mais c'est tout à fait vegan. Évidemment, on peut mettre de beurre dedans, mais on peut mettre de l'huile. Alors, après du fromage, c'est plus facile. Si on veut sur la restauration collective, en fait, ça remonte à pas mal d'années. Une des difficultés, en fait, de la mise en place, parce que c'est vrai pour le restaurant entreprise ou collectivité, cantine scolaire, c'est la formation des cuisiniers. Parce qu'en fait, on ne travaille pas les produits bio. De la même façon qu'on travaillera des produits qui ne sont pas bio. C'est vrai pour la viande et les légumes, puisqu'on va mettre la viande de côté, mais par exemple, l'eau contenue, enfin, il y a des différentes formes de cuisson qu'on remarque quand on le fait soi-même, si entre des différents types de courgettes, par exemple, ou je passe. J'ai pas fait beaucoup la cuisine ces derniers jours, mais bon, on voit très bien. Et c'est intéressant aussi en termes d'achat. C'est-à-dire que une des problématiques de la restauration collective, c'est le coût du repas. Et donc,
un cuisinier qui est formé à la restauration collective, il va savoir que s'il achète, par exemple, je sais pas moi, 10 kilos de pas bio et 10 kilos de bio, au final, il y a tellement d'eau dans le pas bio que la question de la différence de prix va se poser de façon un petit peu différente par rapport au poids, parce qu'il y a tout ce qu'on paye en eau dans ce qui est pas bio. Voilà. Et ça c'est des choses, là je vous dis ça de façon très... un peu informel, je pense qu'on doit trouver, enfin, je pense qu'il faut s'adresser à des gens qui ont cette expérience de chef ou de cuisinier de restauration collective en cantine et qui peuvent aider, je pense, par rapport à la restauration d'entreprise. Ça va se poser un peu dans la même terre. C'est... Comme Annie Lamer est là, elle peut compléter. Moi, je veux juste savoir, vous avez un prestataire ou non? Oui, c'est le reste. Ben voilà, donc les prestataires savent faire de plus en plus. Nous, dans le deuxième arrondissement, on a un prestataire. À Paris, il n'y a plus de cuisine centrale, donc on travaille avec un prestataire et on a travaillé avec eux sur le cahier des charges, on a travaillé avec eux sur la formation des personnels, etc. Donc il y a un travail qui peut être fait avec eux, il y a une fiche faible que tu peux trouver qu'on a faite, donc je pense que on peut l'améliorer, etc. Cette fiche, nous, on peut t'aider, on peut vous aider là-dessus. Mmh. Notamment aussi sur les cahiers des charges. Les cahiers des charges, que ce soit pour la cantine, la restauration scolaire ou collective, c'est un peu la même chose. D'autant plus qu'à Paris, nous, dans le restaurant collectif de la ville de Paris, on a du bio, c'est local, et on a aussi des plats végétariens. Je peux juste rebondir sur les plats... traditionnel, végétarien en vitesse, c'est qu'il y a une cité de la gastronomie, je veux dire, qui s'est créée à Thiers, à Orly. Moi, je suis intervenue en tant que conseillère régionale pour demander à ce qu'on travaille aussi sur le plat vegan. Je ne suis sortie plus personne et plus jamais dans l'hémicycle. Puisque j'ai eu droit, naturellement, au Front National, qui doit manger quand même beaucoup de viande. Et les autres aussi, vos alettes, comment elle s'appelle, Babette de Rosière, qui est la famille, c'est elle qui représente la région, et moi j'y suis aussi, pour la cité. Il est bien écrit dans cette cité de la gastronomie, c'est mettre en avant le repas gastronomique français, reconnu par l'UNESCO, qui est une plat, une viande, une entrée, un plat ou de la viande ou du poisson, des légumes, du fromage et un dessert. C'est le cahier des charges et c'est écrit comme ça. Et donc tant qu'on n'arrivera pas à faire changer ça, on va avoir du mal. C'est vrai que moi je me sens, enfin, même dans on a eu deux réunions, j'étais vraiment seule, quoi. Donc c'est hyper compliqué. Et c'est vrai que le travail des associations, de mettre de notre attention, ça nous permet de se sentir là. Et juste pour finir, c'est que le repas végétarien qu'on fait depuis 2009, on fait une journée végétarienne. Donc maintenant on a été relative aussi tous les jours, mais c'est le jour où j'avais le plus d'enfants inscrits à la cantine. C'est vraiment que ça apprend, ça marche. Alors, il est 38, hein. Vous voulez continuer à rester un petit peu là? Oui, mais il y a des restos, il y a des restaurants qui sont arrivés. Alors, il y a des guides. Il y a les guides en bas sur la table d'info qu'on a dans la collection. Sur internet, sinon. Non, mais il y a des guides sur la table en bas. Il y en a deux aussi. Alors, du coup, on va prendre trois autres questions. Alors, je voulais juste revenir sur la question du poisson. Comment ça se fait que ce mythe reste encore profondément inscrit, que les gens ne le voient pas, c'est pas que le poisson, c'est bon pour la mémoire, que c'est mythe qui doit être présent. Et que la surpêche, enfin, on en parle si peu finalement, qu'il est même possible qu'on vide les océans, donc on ne vide plus de poissons. On ne jette pas vraiment un partage d'intérêt de continuer. Enfin, comment ça se fait, c'est là que les gens soient si peu informés? Bah justement, c'est parce qu'ils sont si peu informés. On parle d'information pour les médias, on parle des médias traditionnels, mais Moi j'ai une question sur la présence du public dans la formation, en fait. Moi j'ai eu la chance de pouvoir intervenir sur ces questions-là en rentrant un petit peu comme ça dans un lycée hôtelier, celui du lycée hôtelier de Lille.
Parce qu'il y a une partie, c'est comment nourrir les hommes en 2050, et l'alimentation végane, elle est très pertinente sur cette question, comment nourrir les hommes en 2050. Et je vois que leur matière première, c'est du lait, c'est du beurre, c'est machin, il n'y a aucun moment dans leur cursus c'est remis en question. En général, en plus, c'est plutôt des enfants prolos qui sont moins... parce que c'est une filière technique, j'ai l'impression quand même que le véganisme et tout, c'est comme des CSP++, et comment... j'avais trop envie de revenir, quoi. En plus, les profs étaient au fun, etc. Mais je veux dire, là, on est en plein dedans, on est au cœur des gamins qui, dans 3 ans, où c'est des filières courtes, vont faire à bouffer. Et à aucun moment, on leur dit qu'on peut remplacer ne serait-ce que le beurre par de la margarine et du lait par du lait végétal, ça change rien, ça change même pas le goût, on se rend même pas compte du coup. C'est comment nous, dans nos politiques, on peut rentrer dans ces lycées, quoi. Ça, je pense, ce serait hyper concret. On prend deux autres questions, du coup, là. Oui, donc finalement, c'est le travail que vous avez fait à Laurence qui a des champions pour faire transmission du problème pour trouver la paix de la santé. J'ai quand même d'autres choses sur lesquelles il me semble important de revenir. Je ne suis pas absolument persuadé que la tradition gastronomique telle qu'elle est, enfin française, telle qu'elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, date du plan Marshall, de l'Africa, etc. Il me semble que, enfin, la littérature française et toutes sortes d'autres sources montrent que ça fait bien plus longtemps que Jean Marchat est responsable de la viande, que la viande, le poisson font partie de la tradition de la tradition française, on voit dans le réveil des gens, dans les comptes de la végétation, dans la grande Angleterre, on voit dans le ventre de Paris de Balzac, etc., etc. Donc il me semble un petit peu réducteur, en tout cas rapide, de dire que ça date du Jean Marchat, première chose. Deuxième chose sur la question de éthique, de savoir si oui ou non il est bon de manger de la viande et de tuer des animaux, je voudrais savoir si, de votre point de vue, il n'y a quand même pas un entre deux, une réponse grise, entre la consommation de masse qui effectivement date de l'après-guerre, la massification de la mort dans les abattoirs hors de la vue des mangeurs de viande d'une part, et d'autre part, le véganisme, l'éradication totale de la consommation et de l'utilisation des animaux. C'est une question éthique, mais c'est aussi une question écologique, puisqu'on sait qu'une bonne partie de la biodiversité sous nos latitudes est liée à la pratique agricole qu'on veut ou non. Ça, c'était votre deuxième. Oui. Non. C'est la perte de biodiversité qui est liée à nos pratiques agricoles. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, j'ai été lobbyiste pour Overlife, qui est une association de conservation de la biodiversité, et plutôt reconnue dans son domaine. Et c'est une question qui est beaucoup plus complexe aussi. Bon. Des oiseaux, la paix sur les. Voilà, non, des oiseaux, des tout un tas de choses. Mais c'est très compliqué. Il y a tout un tas de débats sur land sharing, land sharing. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Troisième chose. Très rapidement, ça fait plusieurs années en fait qu'on a cet atelier plus ou moins sous le même format au cours d'été. Moi, je m'attendais à un atelier sur la tradition gastronomique et comment faire évoluer une tradition gastronomique. Et j'ai avoué que je suis un tout petit peu déçu. Je le dis honnêtement et avec le souhait d'être instructif. Il m'aurait semblé intéressant d'avoir un atelier dans lequel soit par exemple invité un chef ou un diététicien ou un anthropologue, un sociologue, un ethnologue de l'alimentation. Il en existe en France, il y a un pôle d'alimentation très développé à l'université de Tours. Entre autres, c'est une simple chose, mais je suis certain qu'il y a plein d'autres gens qui travaillent sur l'alimentation. Et ce serait intéressant d'avoir un débat un petit peu plus, comment dirais-je, constructif et moins culpabilisant sur la manière dont on. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas de la maltraitance animale. Ah non, on peut pas en parler. Là n'est pas la question. On fait un atelier sur la maltraitance animale, on fait un atelier sur les abattages, on fait un atelier sur l'évolution de la tradition gastronomique. Et je pense qu'il y a tout un tas de très belles choses à dire sur l'évolution de la tradition gastronomique vers plus de véganisme, plus de végétarisme, plus de flexitarisme, plus de tous les ismes qu'on veut qui impliquent des légumes, de la salade et des yaourts, ou pas de yaourts. Mais enfin voilà, il y a plein de choses positives à dire, et je trouve ça dommage que, par exemple, aujourd'hui, on n'ait pas entendu tellement, tellement de choses positives que ça. Voilà, je pense qu'il y a vraiment une tradition à construire, et je trouve que ce serait intéressant de faire un peu la dégrange, une nouvelle année. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la question. Oui, madame avait la main depuis très longtemps. Moi, je vais un petit peu sur ce que vient de dire le monsieur, parce que moi, c'est vrai que je suis un peu aussi pas complètement conscience compte tenu de cet atelier qui dit un certain nombre de choses. Sur les progressions, sur la diminution de la consommation de viande, bon, c'est vrai que c'est assez important de savoir sur les manières d'agir de L214, c'est extrêmement. Intéressant aussi, mais pour aller au-delà, effectivement, arriver à transformer la tradition gastronomique,
et aussi pour lutter contre les lobbies, donc on dit qu'ils sont dans les écoles, les lobbies de la viande, les lobbies du lait, les lobbies du sucre et des saloperies, eh bien, que nous soyons en capacité de créer une outil pédagogique pour faire, pour expliquer aux enfants les manières différentes de pouvoir s'alimenter. Et je ne parle pas en tant qu'associative, hein, parce que j'ai une association qui est à vocation de faire un café et des campagnes en quartier populaire, en quartier de la ville. Et on est sollicité, y compris par les parents, pour intervenir dans les fêtes d'école, pour faire des animations pour les enfants, parce que dans les fêtes d'école en quartier populaire, il y a une forte demande de repas végétariens, pour des raisons diverses, mais en tout cas, il y a une forte demande. Et donc, ces outils pédagogiques, voilà, ce serait vraiment intéressant de les sortir. Je vous dis quand même bien que le 214, on a peut-être tout à l'heure, a déjà un outil pédagogique qui a été exprimé par la librairie en bas, mais c'est vrai qu'il n'existe pas encore beaucoup de livres pour enfants sur l'alimentation végétarienne, de livres pour enfants qui expliquent ce que c'est que le bio. Et c'est vrai que c'est par les enfants que beaucoup de choses peuvent arriver. Ça peut arriver par les enfants et ça peut aussi arriver par les femmes émigrées des pays du Sud qui, eux, parce qu'il n'y a peut-être pas en France une grande tradition gastronomique végétarienne. En revanche, dans les restaurants turcs, arméniens, marocains, indiens, vous avez des très bons repas entièrement végétariens. Et en fait, nous, on s'appuie là-dessus, après, on fait intervenir les femmes des HLM pour venir faire la cuisine végétarienne chez nous, parce que parce que d'abord ça les valorise, ce sont des traditions. Il y a quand même tout un tas de sous-paysages qui ont eu passé, monsieur. Quand on en parle, il y a aussi une mémoire. Quand on commence à parler de moins de viande, il y a une mémoire des sous-paysages qu'on mangeait chez la grand-mère, à la campagne, etc. Voilà, c'est aussi des choses. Et enfin, il y a quelques bouquins de cuisine végane et végétarienne qui sont très bien et nous très adaptés. La question à la lecture. Oui, du coup, merci. On va. Moi, je voulais juste répondre à ta remarque sur le fait qu'on n'avait pas invité de chef et en effet, on ne l'a pas fait. Après, c'est une certaine lecture sur la tradition culinaire française et véganisme, sous un certain prisme. Je suis d'accord, une confrontation serait intéressante, mais là, pas, enfin, avec un chef. Après, je pense qu'on a parlé de ce qui existait, après, sous notre vision à nous. Puis, je pense que la L214, c'est le contact de chef aussi via des restos, et c'est pas. Enfin, je ne sais pas notre cœur de. Enfin, je suis d'accord. Moi, je verrais bien aussi des ateliers, enfin, ce que disait Laurence tout à l'heure, sur comment, enfin, quels sont les chemins pour arriver, et je trouve que ça en fait partie, quoi. Donc maintenant, le problème, je crois qu'il est effectivement plutôt bien posé. Maintenant, c'est comment on met en place des solutions, comment on réfléchit aux solutions. Enfin, je suis assez d'accord là-dessus, mais quelque part, malheureusement, le mouvement écologiste en France, il était très en retard aussi sur ces questions-là. La question animale, elle arrive depuis très récemment, portée par un certain nombre de personnes, encore assez peu finalement, pour un mouvement qui se veut... et que vous, machin, la question des animaux, elle a été souvent. Nous, par exemple, on a un papier d'enquête sur la pêche, montrer de quelle façon, justement, on fait des poissons, montrer que c'est des êtres sensibles et tout ça. C'est clair que la question des poissons, elle n'est encore pas assez forte, de toute façon. Puis la question animale n'est pas assez forte. Je dirais la question des poulets aussi, qui sont les plus massivement tués des animaux terrestres, on en parle assez peu. Aujourd'hui, les gens ils réduisent beaucoup leur consommation de viande rouge, mais ils reportent sur les poulets et les poissons. Il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus, évidemment. Sur les cursus scolaires,
Ben oui, il y a vraiment du travail à faire. Alors, vous avez parlé du côté hôtelier, on peut parler aussi de la nutrition, des médecins qui sont formés juste une demi-journée de temps en temps sur la nutrition, et que quand vous allez voir votre médecin, il va vous donner des conseils nutritionnels alors qu'en fait, il n'en a quasiment pas fait. Et si vous vous amenez en étant végétarien ou végétalien, il va vous donner l'avis du tout venant, quelque part l'avis du café, quoi, et pas du tout un avis médical posé sur comment vous aidez vous dans votre véganisme ou dans votre végétarisme. Ouais, mais là c'est juste dans les gens qui vont faire concrètement à bouffer, quoi. J'irai à aucun moment. Mais concrètement, ceux qui vont nous donner des conseils de médecins aussi. J'ai une prisonnière qui m'a conseillé, par exemple. Oui, bah, végan, ouais, mais il y en a encore très très peu en France, et justement le PNLS est un des freins. Mais en tout cas, la formation des personnes accompagnantes, donc dans le. Comment on rentre dans ces formations-là? C'est politique, ça, non? Mais il y a des questions politiques. C'est 100% politique. Mais je pense qu'un jour, on pourrait organiser un truc avec lui. Il y a une formation pour les élus avec lui à Bordeaux. Et je pense qu'on pourrait la faire. Je pense que ça serait intéressant. C'est vraiment un chef. Et on a organisé avec lui, il y a quelques années, un grand repas pendant la semaine du bio. Et bien, l'agence bio nous a imposé de la viande. L'agence bio. Donc, nous, on a tenu, lui, il a failli lâcher en disant « Moi, je veux bien faire un repas. » mais sans viande, et ils ont imposé la viande. Donc ça, c'est hyper compliqué aussi, quand tu vois l'agence bio. Et sur les nutritionnistes, t'as raison, nous, en mairie du Dôme, on a deux nutritionnistes, parce qu'on a la nutritionniste du prestataire, et on a notre nutritionniste de la caisse des écoles, qui est végétarienne et végane. Parce que moi, j'en avais marre, ça fait depuis 2002 que je travaille dans cette mairie, et à chaque fois, je disais que mes filles n'avaient jamais vu de lait de vache. La nutritionniste, elle me regardait, elle me disait, c'est pas possible. Je dis, mais non, elles n'ont jamais vu de lait de vache, c'est un poison. Moi, du lait de vache, chez moi, il n'y en a pas. Et ça, c'était hyper compliqué. On nous imposait le lait de vache, on nous imposait les fromages, etc. Et là, on a une nutritionniste qui est capable de nous faire des repas équilibrés sans lait de vache, etc. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, on a un travail à faire. Moi, je voudrais. Vas-y, parce qu'il y avait encore des questions. Sur la tradition depuis plus longtemps que ça, oui, évidemment. Par contre, la fréquence de manger ces produits-là, elle s'est accélérée beaucoup, mais je ne crois pas qu'on ait dit que la tradition de l'hôtel en ce moment-là. Non, mais j'étais rapide, parce que je te reviens là-dessus deux minutes. J'ai été effectivement très rapide au début, parce que je voulais vraiment parler de l'industrialisation et des quantités. Parce que c'est ça, quand même, qui a été une révolution dans l'alimentation. C'est la question de la quantité. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les problèmes d'obésité aux États-Unis qui arrivent chez nous, et qui sont complètement liés, évidemment, à l'alimentation, aussi à la sédentarisation, mais pas que. Et c'est vrai que dans la littérature, et Vattel, enfin les grands créateurs, je ne sais pas qui, voilà, les grands escoffiers, les grands créateurs cuisinier français, c'était effectivement Avril Pomarchat, mais l'idée, ça s'adressait à une petite frange, très très petite frange de la population, l'alimentation de tous les jours, et c'est là qu'on peut retrouver, effectivement, dans une autre tradition plus paysanne, tout un tas de soupes, tout un tas de choses, tout un tas de repas qui étaient faits sans viande. Les gens mangeaient du pain, des tranches de pain avec des choses dessus, et quand il y avait un petit peu de viande de temps en temps, parce qu'ils chassaient aussi, quand ils avaient le droit de le faire, mais la plupart des gens n'avaient même pas le droit de chasser, donc on était dans une autre. Voilà. Le monde dans lequel je voulais parler, c'est de la massification absolument gigantesque qui s'est produite après-guerre, où là vraiment on a changé de paradigme, si je puis dire, alimentaire. Sur la question de l'évolution de la tradition de l'histoire, moi j'aime, je dirais en même temps, c'est faire évoluer les traditions, c'est presque antinomique, c'est plutôt les habitudes, parce que le mot tradition, il est ancré, il signifie vraiment quelque chose d'un peu figé, enfin, pour moi, en tout cas, dans l'acceptation que j'ai de ce mot de tradition,
qui d'ailleurs pour moi est liée souvent à quelque chose de violent. Enfin, la violence contre les femmes dans un certain nombre de pays, elle est le fait de trahison. Hein. Une sorte de violence sur les enfants. On va dire que la fessée, par exemple, c'est une tradition de donner la fessée aux enfants. Qui, voilà. Donc, pour moi, la notion de tradition, c'est quand même connoté, pour moi, de façon assez négative. Je préfère qu'on parle d'évolution, d'habitude alimentaire, etc. Je voudrais, moi, évacuer le mot tradition, parce qu'il produit, je crois, ce sur quoi on essaie de se battre, c'est-à-dire des moments ou des choses qui sont finalement très figées. C'est comme, par exemple, de dire, mais même si on fait de la cuisine de la viande, quelqu'un qui va faire, quand il y a eu la nouvelle cuisine, on a dit, ah oui, c'est pas la tradition, etc. Donc, alors que c'était, on a introduit finalement, entre guillemets, de nouvelles traditions, mais c'est pas des... Le mot tradition, à mon avis, n'est pas adapté. Voilà. Je pense que peut-être que dans notre discussion, c'était pas le mot tradition qu'il aurait fallu avoir. Après, une des problématiques majeures sur la question aussi bien des poissons qui disparaissent que de l'élevage massif de viande pour la consommation, c'est la question du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire de notre environnement qui va se dégrader à toute vitesse. Moi, je ne crois pas. Il y a effectivement des gens qui disent s'il n'y avait pas des animaux dans les prairies, nos paysages, etc. C'est vrai que ça a duré un certain nombre de changements, mais ça a été étudié, je ne vais pas rentrer là-dedans. En fait, on raconte aussi beaucoup d'histoires sur l'importance d'avoir des vaches et dans les prairies. En fait, il y en a très peu des vaches dans les prairies, finalement, au regard de ce qui est consommé. Très, 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 très peu. Donc, et par ailleurs, l'élevage, c'est dans le monde une des causes premières des gaz à effet de serre. C'est un sujet qui a été totalement évacué de la COP21. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la COP21, c'est récent. Il n'a pas du tout été question d'élevage. Alors que c'est à peu près 18%. Enfin, alors les chiffres varient selon tout ce qu'on prend en compte. Mais globalement, c'est plus les transports au niveau des gaz à effet de serre dans le monde. Donc c'est majeur. Sur les océans, on a le seul élément qui a pu être médiatisé, c'est la question du chalutage en eau profonde. Pourquoi ? Parce qu'il y a une association qui s'appelle Blue et qui, grâce à une sorte de dessin, une sorte de dessin animé, je ne sais pas animé, une sorte de fresque dessinée par Pénélope Bagieux, qui a atteint par les réseaux sociaux tout un tas de jeunes, c'est d'ailleurs mon fils, qui à l'époque m'a dit « Maman, ça va t'intéresser » et m'a fait passer ce dessin de Pénélope Bagieux sur le chalutage en eau profonde. Et j'ai fait tout un tas d'un boulot important à l'Assemblée nationale sur cette question-là, et au niveau européen, on a gagné beaucoup. Cela étant, ça ne résout pas le problème de la surpêche. Et dès qu'on parle de la pêche, et ça, je reviens sur les élus des territoires, sur la pêche en eau profonde, on avait tous les députés de toute la France Atlantique vent debout contre ce qu'on pouvait dire. Et ça a été impressionnant. Ils en sont presque venus aux mains. C'est la première fois que j'ai fait voir des députés se battre en commission, c'est sur la question de la pêche. Et c'était en l'occurrence justement le député de Lorient. Et si on parle à Daniel Fasquel aussi, qui est député de je ne sais pas où, là, pas mal. Pas de Calais, là, c'est. Okay. Voilà. C'est le fond.